Les potes, si jamais vous n'avez pas suivi la session, déjà, on a un match contre Arsenal qui va être décisif. Puisque pour l'instant, au classement, nous sommes 5e, 35 points. Nous sommes à 8 points, à 8 points des premiers. Il reste 21 matchs de notre côté. Voilà. À 8 points, donc, du coup, des premiers, les amis. On a un match de retard. Donc ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir un match de retard, ce qui fait que potentiellement, on est qu'à 5 points. Donc, tout est encore possible. On est en 8e de finale de la Ligue des Champions et on va jouer contre Valence, ce qui est plutôt cool. On a fini premier de notre groupe. C'était assez incroyable, justement, de pouvoir réussir ça. On a réussi, justement, dans le groupe de la Juve et du Real Madrid à faire 5 victoires. Une seule défaite, 12 buts marqués, 3 encaissés. Donc, fantastique ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Le parcours qui va continuer donc contre Valence. On espère. Il n'y a pas à dire. On espère juste. Donc, voilà. Parce qu'il n'y aura pas de... retour en arrière. Quoi. L'élimination, et c'est terminé. Donc, il va falloir gérer comme jamais. Tu les as pas tapés, Valence, en match amical? Si, mais c'est pas la même. C'était match amical. T'as toujours... les mecs, ils sont en chill, quoi. Là, depuis, ils sont sortis. Ils sont combien? Honnêtement, Valence, on est plutôt content. Je crois qu'ils sont 4e. Ah, ils sont 3e, putain. Ils se chauffent. Ils sont plutôt sur une belle saison. Hein. Ils ont perdu contre l'Atlético, contre le Barça. Ils ont réussi à battre le Real. Ah, ils ont battu le Real. Les cons. Hein. Donc, il va pas falloir trop rigoler. Ils ont lui, là. Kanjin, que vous m'avez beaucoup conseillé. Qui a que 22 ans et qui progresse beaucoup. Qui fait des grosses saisons en 10. Je pense qu'ils ont Mayoral aussi qui est chaud. Pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 3 buts. Hein. Donc ça, va falloir faire très gaffe. Kondogbia. Il est solide, hein, le Kondogbia. Il est présent. Parce que je galère un peu sur FM, j'ai besoin de prendre des cours. Ah, c'est du feeling, de la tactique après. Hein. C'est on fait exploser le compteur de Mingolitz. Gaïa, pas mal. Gaïa, il est chaud. Ah oui, Gaïa, il est chaud. Il a que 28 ans. Ah oui, c'est le pur produit de Valence, quoi. Ah oui, José Gaïa, Monsieur Rossé, quoi. Ah, ils ont plutôt une bonne team. Hein. Ah oui, ils ont du petit jeune, qui rigole pas. Honnêtement, ils ont plutôt une bonne team. Hein. C'est quoi ta meilleure performance en Ligue des Champions avec ce club? C'est la première fois que je suis en Ligue des Champions, là, pour l'instant. Donc là, c'est le tout début. On a été éliminé contre Manchester United à l'extérieur de Carabao Cup. Mais ça, c'est peut-être la meilleure chose qui a pu nous arriver. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup, honnêtement, on a énormément de blessures dans cette aventure. C'est n'importe quoi le nombre de blessures qu'on a. On a encore peut-être des mecs blessés. On a encore Nedelec qui est blessé. On a Camara qui revient de blessure. Mais on a eu la session précédente, un mec sur deux qui était blessé à chaque fois. Et c'était un cauchemar. Pour vous montrer un peu. Ah, c'est là le calendrier. Je cherchais la kiné magique. Renaud Kangou, merci pour le prime, bienvenue. Projecto Spermo, 23 mois, plus qu'un mois, et ça fera 2 ans que tu es parmi nous. On avait commencé la session donc contre Millwall, où honnêtement, la session d'avant, c'était pas bien passé le début de saison. On s'est un peu cherché, on a galéré, j'ai tenté tactiquement des choses qui ne se sont pas bien faites, il faut le dire. Petite victoire en Carabao Cup, en première division, c'était le FC 2-1. Victoire contre Tottenham, victoire contre Swansea, victoire contre Leicester, parfait. Défaite contre la Juve. Qui a fait mal, mais bon, c'est la vie. Derrière, on a enchaîné victoire contre Brighton, victoire contre Burnley, défaite à l'extérieur contre Manchester City. Ça nous a fait mal, on prend un coup franc direct de Bernardo Silva en pleine lucarne. Derrière, on fait jeu égal avec, avec City, mais ça n'a pas suffi. Et ils se sont envolés, ils nous ont mis les 3 points. Everton ont réussi à leur mettre 3-0 avec un Irving Lozano qui nous met un triplé des familles, ça a fait très plaisir. Et maintenant, on reçoit Arsenal. Arsenal, c'est dans 2 jours. Arsenal, c'est décisif, c'est un match à 6 points. Parce que pour l'instant, contre les gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu à l'extérieur contre City, on a fait match nul à l'extérieur contre United, ce qui ça est plutôt pas mal, et défaite à domicile contre Liverpool. Pour l'instant, on n'a pas joué les gros. On a là, ici, justement, un match à domicile contre Arsenal qui arrive, match à l'extérieur contre Chelsea, mais Chelsea, ils sont déjà un peu loin. Hein. Chelsea, ils ont un peu décroché. Ils ont un match de retard aussi, mais on est à 6.2. Chelsea, va falloir assurer à Stamford Bridge. On reçoit United et ensuite on se déplacera à Arsenal à nouveau. Donc là il y a City, Chelsea et la saison se finira contre Liverpool. Donc c'est la 5e saison là. Donc là, tu nous fais une Rudy Garcia. C'est pas facile hein, les gros en première Ligue 1. Mais il va falloir chercher. On va commencer dans 2 jours. On reçoit Arsenal les potes. Il faut une victoire. Il faut une victoire contre Arsenal. Va pas falloir parler chinois. La double intensité pour les entraînements, c'est trop vu le nombre de matchs que tu enchaînes. Tes joueurs étaient quasiment tous en risque élevé de blessure. Non, en vrai, j'ai mis automatique et c'était pas en double intensité. Hein. C'était pas en double intensité du tout, hein, poteau. Hein.
Au début, on a fait cette erreur et ensuite, ça a continué les blessures malgré tout. Hein. C'est dans repos. Tu vois, genre là, on est en intensité normale, on est dans demi-intensité pour la majorité. Je les mets en demi-intensité s'ils sont entre 60 et 79%. Ensuite, en intensité normale. Donc, non, on essaye de quatrième saison. Non, je crois que c'est la cinquième. Hein. Je crois que c'est la cinquième, ça va vite. 1, 3, 4, 5. C'est la cinquième. Hein. C'est la cinquième en cours, sachant qu'on a commencé en championship. Il y a eu la première saison. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je crois qu'on a fait. On a gratté petit à petit. Là, on était donc en championship, on a gagné. Donc on est directement arrive en première div et on fait genre 9e, 53 points. Ensuite 8e, 61 points. Et ensuite 3e, 87 points. Donc là on a vraiment explosé. On aurait peut-être pu faire mieux ici, c'était l'année potentielle. Ouais, mais c'était dur, il y avait que 6 places en plus en Europe et tout. C'est ce qui nous a manqué, hein, la qualification européenne pour pouvoir aller chercher plus gros. Extension du prêt, vas-y mon pote, n'hésite pas, fais-toi prêter. Régale-nous quoi. Comment on fait pour changer l'intensité des entraînements dans entraînement, là où je t'ai montré, dans repos. Défense, un match. Ok, ensuite on aura West Brom. Toujours pas de sentiment entre Guendouzi et Arteta. Va falloir assurer, mon frérot. Va falloir assurer, là. On a un gros match à aller chercher. On a le bon de Sigan. J'avais mis Esposito sur le banc parce que c'est clair qu'il avait du mal un petit peu justement à s'y retrouver. On a besoin d'un Esposito qui est de retour. Hein. Esposito, c'est pour l'instant pas la déception, parce qu'en Ligue des Champions, il répond présent. 6 matchs, 4 buts, une passe D. Mais en Première Ligue, c'est dur. En Première Ligue, je vous cache pas que Esposito, on a besoin qu'il se réveille, parce que c'est ce qui nous manque, on n'arrive pas à le trouver. Pas d'occasion sur lui. Merci à Titi pour le 7e mois. Sergio Gomez blessé. 10 jours. C'est le pire truc. Ah, c'est le pire truc, c'est lui qui... C'est notre créateur de jeu. Ah, c'est notre créateur de jeu. Ah, ça, là, ça lâche pas. Ah, c'est pour l'instant notre MVP. 7,61, c'est lui. Tout part de lui à chaque fois. Ah là là, c'est terrible ça. Restart. Non, bah, on fait une game où on vit la game. On la vit la game, ça je peux te le dire, mon pote. On va mettre Jamie à sa place, c'est horrible. Ah, c'est le souci parfois. Putain, pendant ce temps, le mec que j'ai prêté, il met 7 buts en 9 matchs. Cursed. On a énormément de blessures cette saison. C'est pour ça que ne pas être en Carabao Cup me gêne pas. On aura moins de matchs à tanker, tu vois. Les Sims du coup, ça dit quoi? Mais la casette, non. La casette, on est en 5e saison. La casette, honnêtement, c'est... même si je l'aime énormément, il est quand même... Ma meuf, elle me bute. Elle m'a envoyé... Qu'est-ce que j'entends sur Espopo? Ah, il est flingué! Début de saison difficile, là. Ah ouais, c'est, je sais que c'est des mots durs, hein. C'est des mots durs avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu avec lui, mais là, il est pas dedans, quoi. Il est pas dedans, il nous met mal. Chelsea qui bat Tottenham. C'est, on a besoin. Est-ce que dans 10 jours, du coup, on joue qu'en Valence? Non, c'est dans longtemps Valence. Ah oui, je suis con, c'est en février. C'est en février que ça va rejouer. Tsigankov pas suffisamment affûté. On a Lozano qui est à 90%. Tsigankov qui est un peu bégayant. Mais on joue Arsenal, après on aura 5 jours. Ce qui nous laisse quand même un peu le temps. Zappa Costa il est en retour de blessure. Sanchez il est à 91%. Putain là c'est j'ai Haroud aussi. Mais Haroud il m'a fait un très bon match en fait. Mais bon, Haroud il a été très chaud. Il a mis des buts et tout. Est-ce qu'on met... On met Badia quand même. Matteo à droite. Matteo a été très bon aussi, mais j'ai peut-être envie de mettre Matteo sur le banc pour pouvoir le faire rentrer, quoi. Le truc, c'est que Tsigan... Esposito a toujours marqué quand il y avait Tsigan. Donc... Deux passes D. Ouais, il avait fait deux passes D. On va mettre Badia. Et on va mettre Tsigan. Si jamais, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a une tactique un peu plus défensive, surtout sur les latéraux qui montent moins. Matteo il est clutch. Matteo il peut faire du sale, tu vois. Si je vois à la mi-temps qu'il y a un Tsigankov qui s'en sort pas du tout, ça peut être bien. Ça va être le tueur qu'on est capable de faire rentrer si on voit que le jeu ne prend pas. Et on y est, les potes. On y est. Le premier gros match contre Arsenal directement. Avec une équipe avec du Torreira, du Bruno Fernandes, Rodrigo, Souzo, Lainez, Nketiah en pointe, Ferro, Rugani. Ferro, il joue... il peut jouer à droite. Oh, il a 5 en centre, faut... Ça viendra pas forcément d'ici, le danger.
peut faire du bien à Renan. Allez les gars. Allez les gars, faut aller chercher là. Faut aller chercher. Merci à Red Barber pour le sub offert. Allez les gars, là j'ai besoin de vous. Hein. J'ai besoin de vous les gars. Je vous veux en full vert. On veut un gros match. On veut un gros match là. Si on veut le titre, il y a un moment, il faut s'en donner les moyens. Qu'avez-vous prévu pour réduire au silence l'attaque la plus prolifique? On a prévu de jouer notre jeu. À domicile, tout peut se passer à domicile. Allez les gars. Allez, ça y va là, on rentre dedans, direct. Allez mon Jamie, hein, j'ai besoin de toi. Et Victor aussi, hein. Victor va falloir délivrer des bonnes passes avec Jamie. La passe pour Lozano, la grosse frappe, et c'est finalement Leno qui la sort. Mais d'entrée de jeu, on est dangereux. Carton jaune pour Torreira. C'est bien mon Jamie, c'est bien, t'as faim. Allez, allez, oui, oui, allez Spo. Hors jeu, putain. Putain, ça commence comme ça. Mais c'est bien déjà. On montre qu'on a envie, on montre qu'il y a des... J'ai bien aimé là le Espo qui part tout seul. Liverpool qui est en train de battre Brentford. On va pas se concentrer sur les matchs ailleurs. Allez Jamie, oui Jamie pour Espo. Peut-être Espo. Comment? Comment? Comment Espo? Oh, les gens me disaient que je devais retourner voir sa mère et tout. C'est vrai que... Comment? Comment seul face au but frérot sur une erreur? L'erreur elle sera pas là deux fois hein. Oh là là, comment, Mighty, merci aussi pour le sub, Max. Attends, je lirai ton message après. Allez, Douglas. Allez, oui, Douglas. Oui. On va chercher plus loin, récupération. Renan Lodi côté gauche. Renan Lodi le centre, c'est dans les pieds de Traoré finalement. Ahmed Traoré, pour l'instant, il n'a rien fait. Ahmed Traoré, Ahmed Traoré tout seul. Et c'est finalement Leno, une fois de plus, qui va la pousser en corner. Victor Tsigankov à la baguette pour le corner. C'est bien, Gendou. Super cette récupération. On repasse par Sanchez. Sanchez pour Traoré. Traoré qui va peut-être relancer quelqu'un. Ah, dommage. Dommage, là, là. Petite passe pour Lozano qui aurait pu être propre. Ah, ils ressortent bien, hein. Ils ressortent bien. Ils écartent beaucoup. Oh là, Douglas. Oh, Douglas, te prends pas ça. Super, super, Davinson. C'est bien en plus derrière la récup. C'est bien, les gars. Allez, allez, on y va. C'est bien ça, mon Victor. Victor pour Espo, dommage. Il faut tenter, il faut essayer de le trouver. Dans le dos de la défense, c'est toujours difficile. Ça, on a besoin de ces ballons, les gars. J'ai besoin de plus de gens là au milieu. Oh, Douglas. C'est bien, Douglas. C'est bien, Douglas. C'est bien, Douglas. Allez, les gars. Recrute un MOD. Le truc, c'est que Tsigankov a fait que se blesser. Super, Badia. Allez, Espo. Allez, mon Espo, j'ai besoin de toi. Il est solo aussi. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il se fait un 60 mètres, il gratte un corner. C'est très bien ça. Allez, Tsigan. Allez, Badia. Badia. Oh, Davinson, putain. Leno, il est trop fort aussi. Dire qu'il y a Jack Butland sur le banc, là, ce traître. Il voulait pas jouer ce match-là, lui. Oh non. Pff, super, Donna. Super. Donna aussi. Hein. Quel homme, Donna. Pour l'instant, c'est plutôt un bon match. Hein. On domine en termes d'action. Oh non, dans le dos de la défense. Nketiah est dangereux. Super, Badia, le retour. Super, le retour. Allez, là. Oh, c'est chaud, là. On a besoin d'un but, nous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est... Non. Pourquoi Tsigankov défendait à gauche tout à l'heure, là? Oui, Espo. Mauvais dégagement. Récupération, boum. Oh. Oh, il était avancé. Lozano. Lozano. Leno. Oh, Lozano qui provoque le penalty. Allez, mon Espo. Allez, mon Espo. Me déçois pas, s'il te plaît, Espo. Au bout, j'ai besoin de toi, frérot. C'est maintenant. S'il te plaît. Oui. Putain, il a mis que des pénaux cette année, cet enfoiré. Au moins, il les loupe pas. C'est bien, les mecs, c'est bien. Super, Lozano, le travail. Oh, je pensais qu'il allait tenter. Leno, il était avancé. Oh, le travail de Lozano côté gauche, là. Allez, les gars, on continue. Hein. On lâche pas. On reste serein sur les coups de pied arrêtés. Si on peut leur en mettre deux, on va chercher deux buts. Renan fait un gros travail côté gauche. Qui va repasser par Lozano. Avec Ahmed. Ahmed pour Gündüz. Super ça, super. Centre première. Attention, dommage. Traoré, encore, côté gauche. Ah bah là, tu sens sur la gueule de ton pote. Renan. Oui, Renan. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cheva, merci pour le sub offert. Ça fait plaisir ce but pour l'instant. Un petit deuxième. Oh mais Leno, mec, Leno. La tête était magnifique, là. Coupée au premier poteau. Tsigan. Oh, dommage, Davinson, dommage. Allez, les gars, on se replace, on se replace, on y va, là. On est en train de les bouger, on serait qu'à 5.2 avec toujours un match de retard. Ça serait héroïque. Oh non, 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 je me pose, j'ai pas envie de voir ça. Oh, j'ai pas envie de voir ça, là, la lucarne, c'est déjà ce qu'on a pris contre City. Oh non. Ouf, merci, merci. Merci beaucoup. Une récup? Allez, direct dessus. Dommage, Jamie. La pression était belle. Attention à Diego Lainez. Attention à... Super, mon Donna. On rassure, dans les gants. Voilà, on calme la défense. Tranquille. Le dégagement, dommage. J'allais dire qu'il était propre, mais c'est récupéré par Matteo Guendouzi.
Matteo qui va remettre sur Irving. Irving qui est dans un gros match. Hein, il sort d'un triplé contre Everton. Irving qui va lancer Tsigankov côté droit. Tsigankov tête pour un centre. Finalement, ça va passer par Douglas Borrell. Douglas Borrell, Jamie Shackleton. Et c'est encore une fois un corner. Allez, Victor. Boum, boum. Oh, putain. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, on est dans un bon match. On est dans un bon match. On l'a en termes de passes. On a un peu moins de possession, mais on a les actions. 9 tirs cadrés. On a une grosse intensité. Hein. On a une grosse, grosse intensité assurée. Allez, allez, mon Seb. Check, putain, le face-à-face qu'il avait, le but était vide. Traoré qui me fait pas un gros match. En même temps, je commence à plus avoir grand monde sur le banc si jamais je veux changer. Hein. Renan, j'ai besoin d'un plus gros match de ta part, là. J'ai besoin vraiment d'un match au-dessus. Hein. Qualité supérieure. Douglas qui nous fait un gros match. Je vais aller les voir. C'était pas mal. Je pouvais être mieux, capable de mieux. Allez, les gars, on y retourne. Bah, tout dit, merci beaucoup pour leur sub. La remontada en championnat. Ah, on la veut, là. On la veut, on la veut. Peut-être baisser un peu l'intensité. Allez, direct. Direct, mon Jamie. Oui, 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 avec Gendouz, la grosse frappe. Oh, Gendouz ! Oui, mon Gendouz ! Voilà qui t'est ! Oh là là, le libérateur ! Oh, la reprise ! Juste qu'on voulait ! Oh, putain ! Oh, c'est sublime ! Ah ouais, mais c'est sublime ! Oh, putain, c'est sublime ! La frappe entrée de surface comme ça, merci Seba pour le sub offert ! C'est sublime ! Espopo joue, hein, mon cœur. Espopo joue. Hein. Espopo joue, mais il est pas très efficace. Il a mis le penalty. J'ai un peu moins crié, mais il a mis le penalty. Hein. Gendouz, tu vas apprendre à aimer Gendouz. Gendouz vient d'arriver. Je comprends que c'est un peu difficile de directement l'apprécier, mais il a une chevelure assez rigolote. C'est quelqu'un. T'es au club. Moi aussi, j'ai eu du mal à l'accueillir, mais t'en fais pas. Je vais te montrer ses aspects positifs. On va organiser un petit dîner. On va organiser un petit dîner. Il y a aucun souci. Pas de souci. Pas de souci. On y retourne. Let's go. Oh, la frappe de Gendouz, magnifique. Lulu, pff, enfin pas Lulu, mais sous la barre. C'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Être capable de... Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a plus rien là? On est à 2-0, hein. J'aimerais bien qu'on reste dans le match quand même. Hein. Il y a qui là qui rentre? Joe Willock. Ah, lui, il est chiant là, Chukwueze là. Lui, il est potentiellement chiant. Ahmed, il me fait pas un bon match. Hein. Ahmed, je le sens pas du tout dans son... Je le sens pas dans son football. Hein. Je vais donner sa chance à Scott, qui m'a toujours... qui a toujours été présent en fait. Scott a toujours été là pour moi. Scott ne m'a jamais trahi. Je vais mettre un Matteo. Je vais mettre un Matteo aussi avec. Ah, mais le souci c'est que. Ah, le souci c'est que là j'ai un Lozano qui est pas très bon. J'ai Victor qui commence à fatiguer. Matteo pour Tsigan. Est-ce que j'attendrai pas la 70e? Est-ce que j'attendrai pas la 70e? C'est peut-être la question ça. Merci Arthur Pal pour le resub. Vous voyez aussi. Je pense que j'attends un peu. Hein. Déjà, on se met un Scott. Attention dans le dos, hein, les gars. Faut continuer à créer du jeu, mais attention quand même. Hein. On n'arrête pas. Allez, Ahmed, boum. Oh, Tsigan. Oh, Tsigan, Tsigan. Tsigan, c'est difficile, ça. Tsigan, c'est... Ok, je change Tsigan, un peu de 109 avec Matteo. Gendouz, le souci, c'est qu'il commence à être cramax, là. Gendouz, et il a déjà un jaune, donc je peux même pas le mettre milieu récupérateur. Si je le mets, ouais, le souci c'est que c'est le seul à pouvoir jouer ça, quoi. C'est le seul à pouvoir jouer un vrai bon box-to-box. La casette, non, pour l'instant, il fait un bon match. Je vais le laisser, Gendouz. Hein. Il a combien? 17 de volume de jeu, 15 d'endurance. Il a 8 poumons, on y va. Hein. On y va et on se plaint pas. Hein. Allez, 20 minutes encore à tenir. 20 minutes à tenir. Oh, il est important ce match. Oh, ce match, il peut être décisif, hein. Allez les gars, on en demande plus. Hein. Toujours, on va chercher plus haut. Là. Allez, allez, de la tête. De la tête. Boum. Quoi? On était même pas dessus. Bah toi, Scott. Scott, lâche pas. Attention, attention, attention les gars. Oh, j'aime pas ça. Super, Renan. Encore, encore. Oui, 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 mon Irving. Direct, Espo. Contrôle. Au centre, boum. Mais comment? Mais Gendouz! Ça, on n'a jamais ces ballons-là, en train de surface. C'est pas grave, Scott, c'est une faute utile.
La reprise qu'il met, le gain 12, mais il a envie de tout leur mettre. Hein. Est-ce que je fais rentrer Sigurdsson? Il commence à être bien fatigué, gain 12, mais j'ai l'impression que c'est son match. Le fait de jouer contre Arsenal, il est rancunier, il a les crocs, quoi. Je pense que jusqu'au bout, il va se donner. Jusqu'au bout, il va se donner. Kenney en 6. Le truc, c'est que sinon, ça me ferait forcer. Soit je sors Lozano, qui commence à être fatigué. Je pense que déjà, on va passer en positif. Sors-le pour le standing ovation. Et on va attendre un peu pour Noan. Et Noan, je vais le faire rentrer en milieu récupérateur défense. On va faire ça. J'attends encore 3-4 minutes. Voilà, super la passe, Renan. Hein. Attention, attention les gars. C'est hors-jeu. Le piège du hors-jeu qui fonctionne. Ok, c'est l'heure. Petite entrée de Noan. Et là, du milieu récup défense. Du milieu récup défense. Attention quand même. Hein. S'agirait de pas non plus en demander plus. Hein. 5 minutes à tenir. On prend pas de doublé sur la fin. Hein. On prend pas de doublé sur la fin. J'ai fait. Soyez plus disciplinés. On prend même plus de vitesse. On prend plus de vitesse, là, les gars. On l'assure, ce 2-0 contre Arsenal. Il est propre. Il est propre, ce clean sheet. Il est propre. Oh, clean sheet. Super, Mandona. Super. Et direct sur Lozano avec Scott. Le Scott, la magnifique, la passe. Le truc, c'est qu'il est toujours. Boum. En bas. Repique. Oh, dommage. C'était un peu mou. J'ai cru que Matteo allait tout mettre. Là, ça part. Tu l'as vu. Boum. Encore Espo. Super Espo, l'effort. C'est fini. Oh, le match à 6 points. Le match à 6 points nous régale. Le match à 6 points est juste une douceur pour les papilles. Là, honnêtement, c'est magnifique. 2-0 contre Arsenal, il fallait taper les gros. Il fallait commencer à taper les gros et on arrive à les taper là. Enfin, au moins un. Véhément, très content du résultat. Bravo, les gars. Esposito qui me fait pas le match de sa vie. Douglas Borrell, hein, homme du match. Qu'est-ce qu'il m'a fait de dingue. Islandar, merci pour le prime. Qu'est-ce qu'il m'a fait de fou, lui. 93% de passes réussies, 2 passes clés, une occasion, des fautes forcément, 6 dribbles. Ah, il a pesé. Hein. Il a pesé. Hein. Pff, oh, ça fait du bien, ça. Ah, ça nous fait beaucoup de bien, ça. Gendouzi, sans scrupule. Ah, Gendou, la clause de Traoré, bientôt. Okay, je dois 3 millions, il n'y a aucun souci. Lozano au repos. Gendou, je vais aller le voir. Magnifique, le match. La frappe qu'il met derrière, il est encore présent et tout. Il est à quoi, là? Il est à 2 buts. Il m'avait déjà mis un but comme ça, mais c'est le dernier match, mec. T'as été excellent. Merci beaucoup, je vais continuer à travailler dur pour vous montrer de quoi je suis capable. C'est exactement ce que je veux voir. La Gendou. Allez, Manchester City contre United. Qu'est-ce qui nous arrangerait, là? Les gars, on est bien. Les gars, je suis à 38 points. Égalité avec City. Je suis de retour égalité avec City. United a match équivalent à 4 points de plus que moi. Il faudrait un match nul, quoi, en fait. Hein. En vrai, il faut un match nul. Parce que là, si je gagne, j'ai 41. Donc, je reviendrai à 2 points d'Arsenal et Liverpool. Il nous faudrait un match nul. Hein. Ça, c'est clair que ça nous ferait du bien. On va voir. Magnifique. Magnifique. C'est sublime. C'est le nul qu'on attendait. Donc ça, honnêtement, je vous le dis, c'est absolument parfait. C'est tout ce qu'on pouvait espérer. Attention maintenant à ne pas se retrouver dans des matchs pièges. Hein. Là, on a du West Brom. On a Southampton. Hein. La Cup, par contre, j'ai envie de la jouer, la FA Cup. Parce que je ne l'ai jamais gagnée. La Carabao, je l'avais gagnée l'an dernier. Tottenham 17ème. Non, mais Tottenham, ils ont sombré. Hein. En même temps, Tottenham, niveau... Tottenham, c'est... Ah, je me disais, est-ce que je récupérerais pas Anthony au Mercato, si jamais on galère à droite. Mais ils ont quand même Pellegrini et tout. Hein. Je sais pas ce qu'ils branlent. Hein. Je sais pas ce qu'ils branlent, ils ont quand même une team. Hein. Je sais pas comment ils font pour... Je sais pas du tout. Ils ont Tourelle. Non, mais au fur et à mesure, c'est un défenseur droit qu'il faut. Et Douglas Borrell vient d'être élu homme du match. Denayer a raison. Non, derrière, c'est faible. C'est une maison de retraite. Sur FM, ils sont tout le temps rincés. Ouais, c'est les... C'est en fonction de qui est recruté et tout, quoi. Scott, il est rentré. Il m'a fait un bon petit match. Aïe. Bon, West Brom. West Brom, ils sont quand même pas dégueux. Surtout chez eux. Et surtout contre Lovro.
Donc ça, ça fait mal. Fais jouer Matteo. Ouais, Matteo. Matteo, va falloir le. Va peut-être falloir le faire jouer un peu. Mais en même temps, il est très chaud. Mais j'ai besoin de. Il est suspendu là? J'ai même pas vu. Il est suspendu contre nous? En attente d'une prolongation. Comment ça? J'ai des gars qui sont en fin de contrat là? J'ai qui en fin? J'ai personne en fin de contrat. Ah si, 24 2024. J'ai Zappa Costa. Ah, mais je pense que Zappa Costa il pourra partir. Hein. Zappa Costa, c'était sa dernière saison. Non, je pense à vous parce que la save je la rendrai dispo donc. Si tu mets les titus en cup, ils vont être morts pour les deux matchs après Chelsea Manchester United. Ouais, c'est ça aussi le souci, c'est que j'avoue, on a deux gros matchs. D'ailleurs, on va à Stamford Bridge et ensuite on reçoit United à la maison. Sans commentaire. En fait, on a eu du budget qui s'est débloqué. Donc, on pourrait recruter, quoi. On pourrait recruter. Pour les 6 mois à venir, quoi. La question, c'est qui pourrait nous intéresser? À quel poste, tu vois, on aurait besoin de plus, quoi. Je pense qu'en attaque, on est bon. Tu vois, on trouvera pas beaucoup mieux que... On trouvera pas beaucoup mieux que Lozano à gauche. À droite, on a Tsigankov. Juste là, il s'est énormément blessé, quoi. Ça nous a mis un peu dans une sauce, quoi. Un nouveau DD. Meilleur que... pour moi, défenseur droit ou gauche. Renan Lodi est incroyable, les gars. Vends-le maintenant pour récupérer un peu. Non, moi, je sais pas si c'est... Oh... Qu'est-ce qu'il y a là sur la liste là des transferts? Lewis Cook, ouais. Le bon Serge. Oussem à 100 millions, Lewis Cook, on en a pas besoin. Ouais, je sais pas trop. Hein. J'avoue que là, je suis en posage de questions, quoi. Oh, mais t'es la meilleure, toi. Merci. Excusez-moi, j'ai mon adjointe qui m'a mis un petit boost. On sait que ça va être une session difficile. C'est un petit café. On veut l'avoir. Bon, qui est-ce qu'on peut Rongier? Non, mais on n'a pas besoin de Rongier. On n'a pas besoin de Rongier là-dessus. Là, c'est fantastique. FC coin coin. Je suis un canard maintenant quand on me fait un café. Ah, il faut définir les mots, les gars, parce que là, sinon, on est du père après. Ouais, Max Aarons, ouais, c'est le... C'est peut-être le mec... Je sais même pas si on a besoin tant que ça d'un mec. Hein. Eux, ils veulent même pas vendre, tu vois. Moi, j'ai un gars qui est pas mauvais, hein, Douglas Borrell. Le truc, c'est qu'il va falloir le... Ouais, il a un cran au-dessus, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord qu'il y a mieux que Douglas Borrell, quoi, mais il va falloir tellement le faire rentrer dans le dispositif, le gars. J'ai un peu peur de ça, quoi. Ah, Rhys James... Jamais j'aurai l'argent. Après, ça serait pas mal, quand même. On va faire un nouveau rapport, si jamais. Si jamais ça se passe mal. Monte un peu le... Hakimi, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs pour qu'il aille peut-être à Paname. Ah ouais, il est parti à... Mais ils ont lui. Mais à Chelsea, il se passe quoi? Pourquoi vous avez Rhys James et Hakimi? C'est beaucoup, hein. Vous n'avez pas besoin des deux, quand même. Ah non, c'est pas ce qu'on veut voir, là. Mouais. Je sais pas, on va voir. On va voir Kimmich plus concurrence Espo. Bah concurrent Espo, j'ai déjà Matteo. J'ai Matteo, poteau. Tsigankov malade. Eh, tu me casses les couilles, frérot. Tu me casses les couilles. C'est incroyable, là, comment il a été malade, cet enfoiré, là. C'est fou. Non, mais regarde un peu l'allée. Non, mais c'est dingue. Tu regardes. Genre là, en 2023, le nombre de blessures qu'il a eu, c'est hallucinant. Ici, donc 3 jours. Donc 3 jours début janvier, 10 jours fin janvier, 6 jours début mars, 2 jours fin avril, 4 semaines fin avril, toute la préparation en été, blessé, récupération, début de saison, fin août, 11 jours,
5 semaines en octobre. Ah, il me faut un milieu offensif droite. Hein. Droit, pardon, limite. A tendance à se blesser. Ouais, non, mais il y a une différence entre à tendance et... Je crois qu'il a développé ça. Il avait pas ça avant. Avant, il était en chill. Hein, il se blessait pas. Hein. La vie se passait bien. Qui pourrait être intéressé pour venir chez moi à droite, là? C'est ça, la vraie question, là. Attends, le... Under. Mais pour 6 mois, ça va être tellement dur. C'est la dernière saison, on voit la thune. Ah non, mais si je peux, je vais pas y aller. Hein. Ah oui, il est pas non plus... il est bon, mais... Si je mets boîte chez quelqu'un... Le truc, c'est qu'on a... Il n'y a pas non plus... Anthony pourrait être pas mal, quoi. Anthony serait pas mal, en vrai. Hein. Anthony est pas mal, en fonction de comment ça se passe là-bas. Hein. Hudson Odoi, je parle même pas du prix qu'il est mécontent. Ouais, mais là, Hudson Odoi, c'est 100 millions, quoi. Atal, je pense que c'est pas encore assez fort. Arnor, qu'est-ce que tu me fous, là? Arnor, qu'est-ce qui se passe? 13 en centre, Anthony. C'est pas si mal, hein. Surtout qu'attaquant intérieur, je le fais pas centrer beaucoup. Donc, Tigan, le mec qui se blesse 2 mois tous les mois, c'est vraiment ça. Gaffe aux nationalités, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il faudra qu'on recalcule, mais je crois qu'on était à la limite de ce qu'on pouvait faire. Flotov est pas mauvais, en vrai. Hein. Juste à Paname, il doit prendre, ouais, il prend 1 million, quoi. Un petit Flotov des Fafa, là. Je crois que j'ai 60 millions. Il n'y a plus Lozano, il est à gauche. Non, mais de toute façon, je vais pas vendre. Oh, Everton, il est beaucoup trop cher, quoi. Je vais pas vendre mon petit Tigan. Il me faudra, quoi qu'il arrive, une doublure. Il me faudra une doublure, je pense, quoi qu'il arrive. Ferran Torres. Je sais même pas s'il a progressé. On va voir. Sancho, il joue à gauche, non? Je dis de la merde. Non, il joue à gauche, je crois. J'ai Matteo en doublure. Ouais, mais c'est aussi la doublure de l'attaquant, quoi. Quoi qu'il y en ait des legs, donc. Donnarumma malade. Je commence à... Bizot a été élu entraîneur français de l'année. Bizot élu entraîneur français de l'année. Ça, c'est beau, ça. Devant Claude Puel qui est à l'Inter, what the fuck, et Philippe Montagnier à Bordeaux. Aïe. Non mais du coup, je vais devoir envoyer Will, là, au charbon. C'est donc ça qui va se passer. Les jeunes, non, il n'y en a pas qui... Est-ce que vous pensez que je prends un médecin? Parce que 10 jours... Non mais 11 jours, je l'envoie chez le médecin. Mais parfois... En fait, la dernière fois, ça peut, il peut contaminer les autres, en fait. Normalement, ça le fait pas, mais je suis tellement en peu de chat que... Clairement. En fait, le souci, c'est que tu peux contaminer les autres. Si tu le laisses au club et tout. Coach Bizot, qu'avez-vous ressenti après cette victoire contre Arsenal? Beaucoup de personnes pensaient que votre nom n'était plus à Leeds. Qu'avez-vous à répondre? Lewis Jacka de l'équipe magazine. Lewis Jacka. Fracture du pied, 3 mois. Allez, hop. Heureusement, on comptait pas beaucoup sur lui. Non, écoutez, on a été... C'est vrai qu'on a été très, très positivement surpris. Ça nous fait très plaisir de voir... à quel point... notre influence continue de peser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attribution, donc ça, c'est les... ça, c'est durant l'année. Joueur mondial, U21 de l'année, c'est Esposito. C'est bien Esposito. Peut-être que ça va te faire prendre conscience qu'il en faut plus. Golden Boy européen. Golden Boy européen.
Mais Modica, j'ai pris un mec, je l'ai acheté 5 millions et... Lozano, élu joueur du mois, joueur de l'année, Amérique du Nord. Oh, mais magnifique, ça. Sublime, les gars, sublime. Oh, mais Loulou, Traoré a été élu meilleur espoir. Ouais, dites-moi en plus. Joueur de Leeds dans le 11 africain. Le Ahmed qui est là. Ça, c'est parfait. Attribution des récompenses en Serie A. Ah, Lozano, c'était pour son... c'était pour son taf à Naples. Mais du coup, est-ce que je le vendrais pas, lui? En vrai. Rappel Modica, je crois que je peux pas le rappeler. En dehors d'une période de transfert. Ah, je peux peut-être le rappeler. Mais je sais pas si... Enfin, il est bon à Benfica, mais... peut-être mieux d'essayer de le vendre. Et comme ça, on essaie d'acheter encore plus gros, quoi. Tu vas bien, PA? Ça va, et toi? Merci, Godzilla, je t'avais pas vu, pardon. Y'a Max, c'est ce que tu vas reprendre si tu joues City Game. Je pense pas, non. Dommage, il joue au poste qui t'intéresse. Bah, en fait, là, je veux un pur à droite, quoi. Je veux un mec... Je veux un mec qui fasse le taf, quoi. T'es un Donnarumma, quoi. Tu vas pouvoir venir. On va voir qui va y avoir sur... On connaît tous la solution Mbappé. J'ai envie de voir qui... Attendez, attendez. Nedelec qui commence sa rééduque. Hein. Nedelec qui commence sa rééduque. Tsigankov aussi. Programme d'entraînement. Deux matchs, début de la période de transfert. 96 millions pour Hudson Odoi. Il y a un Arsenal City. Hein. Je voulais voir aussi qui était en fin de contrat. Pour voir si, même si ça ne changera pas grand chose, s'il y a des signatures à faire quand même. Ça reste un plaisir. Qui est bien sûr un de mes favoris. De faire des petits coups de pince. Petits coups de pince par-ci, par-là. Toni Kroos, en même temps, il marche plus, le gars. Ah, il y a la Ouija. Hein. Lewandowski doit être à bout, non? Court encore, hein. Bergwijn, c'est pas mal, quand même. Immobilier? Ah, il a déjà 33 ans. Alors, quand même, hein. Carvajal, il y a du beau. Hein. Putain, cette année, il y a du beau enfin à 6 mois. Ouais, il est un peu lent. Quincy Promesse, qu'est-ce qu'il donne maintenant? Le Sergio Busquets qui a fini sa carrière à l'OGC Nice avec 4 d'accélération, 5 de vitesse. Il est là. Ça bouge pas. Tagliafico. Pas mal aussi. Oh, Miralem. Ah, dommage, Miralem. Je t'aime tellement. On aurait pu... Si oui, ça se négo bien. Hein. Hummels, il bouge plus, non? Ah, il a 8 de vitesse. Bergwijn, c'est pas mal. Hein. Oh. Il y a un gars que j'ai recruté il y a 5 ans. Vraiment, je l'ai recruté il y a si longtemps. Mais comme il n'avait pas encore l'âge... requis, il vient juste d'arriver maintenant. Je l'ai recruté juste parce qu'il avait 20 déter. En gratuit. Oh, Badi Achille, va l'accueillir. Ah, mais c'est un joueur étranger sur la liste. Oh, on va pas l'entrer. Hein. C'était pour le FC Plus-Value. Avec le numéro 50. Mais ça repart à 5-6 millions. Craig Rennie. Oh, il y a une offre de Craig Rennie pour Craig Rennie. Non, mais ça, par contre, ça veut lâcher que 15 millions pour Craig Rennie. Craig Rennie, je ne braderai pas Craig Rennie. Hein. Dernière saison ou pas, j'ai des valeurs. Hein. Pour combien Craig peut partir? Craig part pour... Craig part pour 25. Hein. 14. Tiens, réessaye 25 pour voir. 15. Tiens, je te remonte ce que c'est, 25. Tiens, je supprime ça. Et je te mets un 25. En cash. 16. Tiens, regarde, je te remonte juste. En fait, c'est 25, moi, que j'entendais. 25 in English? Non, non, non.
Hein, je me dois de refuser ça, mon pote. Hein. C'est mon petit frérot, le Craig. Regardez comme il est beau. Ça a été le premier grand front moustachu qui est venu au club. Je peux pas le faire partir comme ça. Matteo. 5 matchs, 4 buts. C'est bien, mon frérot. Derrière, forcément, Matteo dédie sa récompense à Bizot. Oh, toi, t'es juste titulaire le prochain match. Hein. Toi, t'es juste titulaire le prochain match. Hein. Attends, on est 3e entraîneur du mois. Allez, on y va, Sliwald. Merci pour le 63e mois, putain. Ça, c'est beau, ça. Tu peux nous montrer ton staff? Oh, bah, j'ai plein de gars. Hein. Là, j'ai plein de... Putain, Sergio Gomez, il est up quand? Dans 2 jours, ok. Il sera prêt pour les gros matchs. Lovro est suspendu? Oh, Ben, qu'est-ce que tu me fais, là? Qu'est-ce que tu me fais, le Ben? Titou Royer. Ah, Titou, c'était... J'avais parti, il n'y a pas de souci. Titou, c'était le frère... Comment ça s'appelle à Lens. À Lens, c'était la folie, quoi. Deuxième grand fond Barbiche après toi. Sans lui, je vais l'envoyer en prêt. Hein. Lui, c'est directement du dispo pour un prêt. Tu joueras jamais en titu. Hein. Ça, c'est clair et net. La pépite Titou, Titou Royer, ça, les vrais s'en souviennent. Hein. Vabou, merci pour le 3e mois. Le Titou, on a aimé. Staff à l'adjointe qui a amené café. Bah, juste être la boss, en fait. Juste être la boss, tout simplement. Azevedo, il doit souffrir, hein, je pense, dans la game. Azevedo... Oh, Nelson, t'es où? Ah, il est là. Non, tu vois, il est avec Louvain. Il lâche pas avec Louvain. Il met des petits buts par-ci, par-là. Il se régale, hein. Il se régale, là. Je suis très content pour lui. Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que je pourrais recruter à droite, putain? En même temps, Matteo, il envoie aussi, hein. Matteo, il envoie bien, là. En tout cas, il y a West Brom qu'il va falloir aller chercher, là. West Brom va falloir les claquer, là. Ça, c'est sûr et certain. Là, on parle et tout. La seule chose dont on est sûr... Kingsley. Ouais, Kingsley, c'est pas si mal, mais... Inaki. Ouais, Inaki, c'est je baisse la tête et je cours. Arrête avec ta fixette sur Matteo. Bah, Matteo, pour l'instant, si tu regardes, c'est genre le meilleur buteur. C'est pour l'instant le meilleur buteur de... Vous le kiffez pas? Moi, honnêtement, j'ai mis tel... Il est 4e meilleur buteur du championnat. Hein. Oh, Talismanio qui est 3e meilleur passeur. Sergio Gomez, 3e meilleur joueur tout court. Prends Sancho. Le truc, c'est que Sancho, il va nous coûter très cher, quoi. Il est blessé encore entre 4 jours et 2 semaines. Enfin, il joue plus à gauche qu'à droite. Et Sancho, ça va coûter très très cher, quoi. Sancho, je pense que j'ai pas l'argent tout court. Lovro, deuxième B. Je pense que c'est Anthony. Osef, c'est ta dernière saison. Mais j'ai pas l'argent, en fait. Genre, déjà, on a beaucoup beaucoup investi. Là, c'est une question de... Enfin, je ne peux pas... Enfin, TFM, tu ne peux pas, quoi. Quand t'as pas, tu ne peux pas. Ce qui est pas si mal, hein, d'ailleurs. Sinon, ça serait un peu de la merde. Trah, United qui gagne 1-0. Ça aurait fait plaisir qu'il bégaye un peu. Et nous, on va bouger à... contre West Brom. Booba qui revient. Booba titularisé. Le bon Boob, il est là. Tsigan blessé, du coup j'envoie du Matteo. Badia ici. Ben Mendy. Ah, Sergio qui est toujours pas bien. Prêt à jouer dans un jour. Je dois y aller avec Will. Hein. C'est le retour de Will, les potos. C'est le retour de Will. Donna, il est pas blessé, mais il a pris un jour de maladie. Un petit rhume. Non, laisse Donna. Bah, il est blessé. Enfin, il est malade. C'est Will, hein. C'est le retour de Will, je crois. Hein. Je crois, les potos, que ça... qu'il n'y a pas le choix, là. Hein. Will qui avait gagné la Carabao Cup, quand même, on s'en souvient. Neido, merci pour le 5e mois. Les Ultras veulent au vin. Les Marseillais veulent au vin. Pour repréciser un peu. La différence est quand même là. West Brom, on va y aller à fond. Je pense que je le mettrais gardien juste avec un rôle basique.
Au moins, histoire de... Oui, je vais essayer de le faire jouer avec un rôle un peu plus offensif pour voir s'il peut pas faire la diff. Allez, let's go. Allez, on y va, les gars. Allez, après la bonne victoire contre Arsenal, faut continuer là. Oh, en plus, ils viennent vraiment avec une belle team. Ah, Lovro qui est pas là. Hein. Lovro suspendu. Hocher la tête. Tu hoches pas la tête, Jamie. Tu hoches pas la tête en ces temps-là. Plonger dans ses pensées. Will. On a besoin d'un gros match de Will, les gars. Hein. Va falloir l'encourager. Will, on le sait. Il nous a déjà fait gagner une coupe. Il avait fait assez peu d'arrêts. On espère qu'il va pas y avoir trop de frappes. Sinon, ça va être compliqué. Allez. Attention, attention à ce genre de... Ce genre de dédouble. Oh non, Renan. Prends pas un jaune comme ça dès la 20ème seconde, frérot. Prends pas un jaune comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu vas si lentement? Tu vas lui mettre quoi, là? Ah, rien, un avertissement. Ah non, il prend un jaune. Ah non, il a rien eu, parfait. C'est le mec en face qui a pris un jaune. Putain, mais ils vont venir en bloc, eux. Oui, mon Jamie. Dommage, la passe, la Douglas. Allez, on remet. Allez, on y va. Booba, on l'a pas vu depuis longtemps. Dommage, c'était pas mal, ça. Booba qui a été blessé pendant quelques temps, qui est de retour. Et Jamie, avec Guendouzi, peut-être une grosse frappe. Super, super, ça, bien vu. Oh, Nespo. Nespo, putain, va falloir un jour revenir en... Oh non, pas ça. Oui, le pied. Super. Allez, Spo. Allez, Spo. Oh, c'est mou quand même. Hein. En bas. En bas. Oh, mais fil 12. Matteo Guendouzi. Matteo, mesdames et messieurs, encore une fois avec la frappe. Oh là là, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Oh, le Matteo, grosse frappe. Putain, mais... En plus, il y a Matteo aussi. Et boum, petit pointu. Petit pointu des familles. Eh, mais Guendouzi, il nous sauve. Hein. C'est bien, les gars, en tout cas. On a besoin des 3 points, là. Guendouzi qui prouve qu'on a fait le bon choix en investissant sur lui. Zano qui a un peu de mal toujours, il a du mal à se trouver toujours. Tous les matchs, on le trouve pas beaucoup. On... Je vais le remettre en soutien. Ce qui fait qu'il fera un peu l'effort de redescendre parce que Renan est un peu en train de prendre la sauce et il a déjà un carton jaune. Et j'ai l'impression que côté gauche, sinon on va prendre la sauce tout le match là. Ils ont l'air de beaucoup vouloir dédoubler sur les ailes à chaque fois. Et si j'ai Lozano qui est devant, ça va être chaud, sachant que derrière on a Willefer. Hein. Derrière, ça va pas tenir très longtemps. C'est bien ça, Sanchez. Super, derrière. Allez, boum, Esposito. Là-haut. L'intelligence. C'est un peu lent, dommage. Direct en haut, c'est bien, ça joue vite. Oh non, le ballon poussé, mais c'est bon. On gratte quand même un corner. Il a mis un triplé il y a 2 matchs, bien sûr. Mais... Oh, Esposito. Oh, Renan, c'est rouge. Et j'ai pas mis Ben Mendy sur le banc. Ah. Et bonjour. Le 10 contre 11. On va passer en positif, hein, on va calmer un peu. Putain, il me casse les couilles à faire de la merde comme ça là tout le temps. On va se mettre comme ça. Descends tes ailiers. Non, je vais pas les mettre là. Hein. On va se retrouver avec un truc qui a plus de sens. Plus personne va savoir quoi jouer. Faire entrer Badia et passer à 3 derrière. Non, mais j'ai pas les. Ils savent pas jouer ça, moi. Lozano pourrait jouer ça à gauche. Faut mettre Borrell à gauche. À peu près la même. Hein. Il a les deux pieds. Faible. Deux attaquants, 3 milieux. Non, va pas falloir qu'on change tout le dispositif. C'est déjà les erreurs qu'on a fait. On sait qu'on peut être fort. Hein. Je pense qu'on va jouer comme ça, pour être honnête. Pour être honnête, on va continuer comme ça. Allez, les gars, on demandait plus. Hein. Par contre, va falloir que vous charbonniez sur le terrain. On se souvient de beaux matchs à 10 contre 11 où on était meilleur qu'à 11 contre 11. 3 derrière, en vrai, ça pourrait le faire, mais sur FM, ça marche pas. En fait, c'est ça qui, parfois, est un peu technique. C'est que sur FM, il y a beaucoup de trucs qui, dans le vrai foot, marchent.
Mais sur FM, faut adapter ou ça fonctionne pas vraiment et tout quoi. C'est un peu ça qui... Il y a beaucoup d'idées que t'aurais envie de faire et qui sembleraient très logiques, mais que si tu fais, en fait, le jeu ne comprend pas. Et quand tu changes tout d'un coup, il se dit « qu'est-ce qui me branle ?» On n'a jamais joué comme ça, on sait pas faire. C'est rouge, monsieur, c'est rouge. Allez, Lozano. Arsenal qui est en train de battre City. Hein. Traoré qui a... Arsenal qui bat City, c'est pas bon. Hein. Un petit match nul de plus ferait du bien. Des matchs nuls entre les gros. Matteo Guendouzi qui a pris un jaune. Si on peut éviter de finir à 9, ça serait cool, les gars. Ça ferait assez plaisir. Lozano, je vais le sortir. Hein. Là, il me fait un match de merde. Je vais mettre Sigurdsson. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait jouer. Sigurdsson, l'avantage, c'est qu'il revient souvent défendre, au moins. Esposito qui me fait... Oh non, pas ça. Super. Allez, Sigurdsson. Il a déjà pris un jaune, qui vient d'arriver. Arnor. Oh là là, le centre. Matteo. Par contre, derrière, c'est dur. Hein. Super, Ahmed. Super. Long ballon. Il est hors-jeu. Putain, il est hors-jeu. Et quoi qu'il arrive, il ne le mettait pas son face-à-face. Hein. C'est fou, ça, quand même. Je vais leur dire de monter davantage. Je vais pas te dire de monter davantage. Toi... Ok. Comme ça, je dis pas à Guendouzi de monter plus. Comme ça, on aura moins de trous au milieu de terrain. Il est au Real, là, déjà. C'est quand même très compliqué, la situation Esposito. Hein. C'est un truc qui... C'est très peu compréhensible. Super, Camara. Super. Super, Booba. Ça fait mal, ça. Donna, il y avait hors-jeu, quoi qu'il arrive. Il y avait hors-jeu. Je fais qu'en demander plus. Là, ça commence à... Je vais le faire jouer un peu moins haut. Qu'il puisse participer un peu plus au jeu. Je vais le faire jouer en attaquant complet. Oh, c'est Will, pardon, c'est pas Donna. Mais c'est Will qui la sort comme ça. Bien sûr, c'est Will, pardon. Va falloir se séparer de lui, je sais pas, parce qu'il y a un moment où il faut qu'il se réveille, mais en même temps, est-ce qu'il va me faire une saison blanche, vraiment? S'il me fait une saison blanche, j'ai Nedelec qui revient dans 2 semaines. Hein. Allez, les gars, on tient, là. Putain, Esposito, encore une fois. Défense, moins directe, un peu moins élevé, le rythme, plus discipliné. Super. Allez, Zappa. Tranquille. Non, Zappa. Bien, Zappa. Allez, Ahmed. Super. Avec Guendouzi. Là-haut. Tu l'as vu. C'est bien, Ahmed. J'ai besoin que tu gardes la balle, j'allais dire. Oh, Guendouzi, on est à 9 contre 11. C'est infernal. J'ai juste des joueurs qui ont envie de se taper, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je sais même pas quoi faire, là, moi. C'est fou, Sans respo, bah, le truc, c'est que... Je sais même pas quoi faire, en vrai. C'est quoi, je vais mettre Matteo en attaquant avancé tout seul. Lui en vieux 10, en mode un peu flingué. Ah non, j'ai pas besoin d'un 9,5, j'ai besoin d'un mec plus bas encore. Ouais, comme ça. Je te mets un Noan Kenney, lui en box-to-box. Je te mets un Noan Kenney qui, du coup, lui, va jouer... Meneur, non pas meneur de jeu, mais milieu récupérateur défense. Là, on est au rugby. Hein. Je pense comme ça. Hein. C'est la tactique épée. Hein. On part en grosse tactique épée. Sigurdsson, il va avoir du mal à jouer autre chose. Quoi. Ou sinon, je le laisse à gauche. Et du coup, au moins, on aura un mec qui va... c'est bizarre de faire ça. Hein. Mais au moins, ça va créer le danger, quoi. Parce qu'en fait, si on joue qu'au milieu, ça va être la merde. Je pense que je vais le laisser à gauche, comme ça, au moins, il pourra peser un peu. Parce que sinon, en 10, en fait, ils vont juste être tous au milieu, et ça va être la merde. Matteo à droite. Non, bah, il faut quand même un attaquant. Je mets un petit attaquant comme ça, un petit box-to-box, mais redescends ton attaquant. Je peux pas beaucoup le redescendre, frérot. Je te cache pas que c'est une situation un peu compliquée, quoi. Pas de 9. Et 2 attaquants intérieurs. On va avoir du mal, hein. Il reste 6 minutes à jouer. Je vais leur dire gagner du temps vers 88. Je crois vraiment marquer. Non, mais c'est juste pour pouvoir avoir des longs ballons, quoi. Oh là là. Oh là là, je me sens mal.
Allez, Wayla. On va prendre une clean. C'est fini. Oh, Will, Will. Ok, équilibré. Gagner du temps. Je peux pas faire grand-chose de plus. Là-bas, là, le gardien, je vais lui dire relancer sur les ailes. En même temps, non, c'est bien qu'il relance pas sur les ailes si on arrive à garder la balle. On va garder la balle, je vais pas renvoyer des longs ballons, sinon ça va revenir trop vite sur moi. Allez, deux minutes les gars. Allez, dernière action, on craque pas. Allez Douglas. Sif, let's go. Putain, on allait le chercher ce match. Hein. Arsenal qui bat City, Chelsea, Liverpool qui gagne sans aucun souci. Putain, Will encore une fois qui nous fait un gros match. Bon, bien joué. Par contre, il y en a 2-3 que je vais insulter. Un Traoré qui est homme du match. Putain, Gendouz, je suis déçu que tu te sois fait expulser. Hein. Je te le dis. Et je t'en parle même pas, Renan. Je t'en parle même pas. Par contre, toi, Irving, là, c'était pas bon ce match. Hein. C'était pas bon ce match. J'ai besoin de plus. Hein. J'ai vraiment besoin de plus. Bon, Sigurdsson, je vais rien lui dire. C'était compliqué. Contrat pour Will. Bon, bah, c'est 3 points de plus, ça, en tout cas. Heureusement qu'il y a la frappe de Gendouzi. Hein. Sinon, suspendu pour un match. Gendouzi suspendu pour un match aussi. 29 000 euros d'amende parce qu'on prend trop de cartons jaunes. Il faudrait Lozano qu'on le mette en repos. Traoré ravi du soutien. C'est parfait. Mendy, de toute façon, là, on est en coupe. Ah, Gianluigi qui a été absent, qui est de retour suite à sa petite grippe. Ça fait plaisir, ça, mon pote. Content du faux pas de City. Non mais là City c'est plus un problème. J'ai 2 points d'avance sur eux qu'ils ont un match de retard. Là c'est devant en fait qui. Là si jamais je gagne le match en retard qui est donc contre Chelsea, je reviens à 44 quand tout le monde est à 46. Putain, la fin de saison va être folle. Hein. Putain, 2 expulsés, on a fini à 9 contre 11 quoi. Tottenham qui se sort de la zone rouge. Renvoyer d'Everton. Aïe aïe aïe. Pour Esposito, faut désactiver le jeu dans la surface. Ils sont suspendus pour la FA Cup. Ouais, ouais, je sais, mais du coup, on fait tourner quoi qu'il arrive. C'est ça l'avantage. Là, ça me gêne pas du tout de faire tourner. Quoi qu'il arrive, on va faire tourner. J'ai Chelsea puis United après. Hein. Donc ça me gêne absolument pas quoi. Oui, alors bonjour. J'ai recruté un petit jeune. Il s'imposera comme un élément. Je pense pas que le club doit en rester là. Il est un peu tôt, on va pas l'inclure. Prions Nedelec, notre sauveur. Non mais Nedelec, c'est fou quand même, j'ai pris 4 mois et demi de blessure. Nedelec, ça m'a vraiment déchiré le cœur, parce que Nedelec, je pense que... Bon déjà, j'ai mis quand même 70 millions sur la table. Et le mec, là, dites-vous, il aurait pu tellement progresser entre-temps, il a perdu un peu, parce qu'il est, il est blessé depuis... Il a 18 ans, le gamin. Il est blessé depuis le début. Il nous avait déjà fait des gros matchs, hein. Encore 2-3 semaines. Hein. Si jamais je pense que c'est Robinson. C'est qui lui? Oh, c'est un mec que j'avais recruté libre de City. Et je vais faire une petite plus-value. Comme ça. L'air de rien. Petite plus-value. 500 000. Allez, on voit 400 000, on n'en parle plus. Allez, on voit 400 000. Allez, ça passe les 400 000. C'est magnifique. Vend Modica. Attends, le but est pas... Oh... Lui, je vais le faire soin à domicile pour le rhume. Histoire qu'il ne me contamine pas plus de gens. Parce que là, il commence à y avoir du petit virus qui tourne. L'amende est payée. C'est vraiment ça. FC Ebitda. Ah bah, je laisse le club dans offre du Real Madrid pour Esposito. 37 millions. Extrêmement... Il est extrêmement... Mais 37 millions, mais, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Vous êtes... Ça va, vous, là? Ils ont 67 millions de budget. Mais vous êtes malade ou quoi, là? 37 millions, les gars, mais ils me prennent pour qui? Faut que je parle à Esposito. Pourquoi? Vas-y, faut que je lui demande pourquoi il veut se barrer. Ils m'ont vraiment convaincu qu'il me voulait, et c'est pour ça que ce transfert est aussi intéressant. J'aimerais évoluer dans un club où je suis considéré comme un élément clé de l'équipe. Frère, tu crois que t'es quoi, là? Chez moi? Qu'est-ce que je lui dis? J'ai aucune intention, qu'est-ce qui va vous convaincre de rester? Il va pas kiffer ça.
tente. Je comprends bien que vous souhaitez me garder, mais malheureusement, rien de ce que vous pouvez me proposer ne me fera rester. Mais t'es un fils de pute, attends, je t'aime tellement, mec. T'es un enculé. Genre, frérot. J'ai pas envie, même 70 millions. Je vais pas lui demander, Je lui dis que c'est un joueur trop important. Il va me faire la gueule. Il va me faire la gueule de ouf. Si je lui dis que vous êtes un joueur trop important. Il est dommage que vous soyez incapable de m'écouter. J'ai besoin de partir et vous ne me ferez pas changer d'avis. Quel enculé. Le coup, le... Bon, on va le vendre, hein. Je peux pas accepter, je sais même pas quoi lui dire. En attendant, je vais faire un peu de plus-value. Mais frérot, c'est genre... C'est 150 millions hein, pour Esposito. C'est 150 millions en cash. Hein. Je sais même pas quoi dire là. Parce que du coup, j'ai même plus la solution de... De lui parler pour lui dire. Pour lui dire que c'est. S'il faut une grosse offre. Tu veux pas signer un contrat avec moi? Il n'est actuellement pas heureux au club. Mais Seb, on a tout traversé entre nous. Je suis ton idole encore, Leeds. Je veux partir. Personne peut le convaincre là? C'est mon leader, Badia. Esposito, tu peux pas lui parler? Esposito prêt à rester à Leeds! Après en avoir discuté avec Sebastiano, je pense savoir qu'il ne souhaite plus quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. Il a été convaincu de rester par Benoît. Oh Benoît! Oh Benoît, grosse couille! Oh mon Ben! Ben ouais, ils se connaissent! Attends, lui il est là depuis, ils se connaissent depuis 5 ans! C'est comme des frères! Eh ouais, mon frérot, reste avec nous! Allez, réveille-toi maintenant! Allez, le comportement, je te le critique. Enfin, je te dis du bien. Allez, allez, on se remet dans la bonne dynamique, là. Off du Real pour Esposito. Il veut toujours rejoindre? Comment ça se demander s'il voudrait pas... Mais je te remets un nouveau contrat. Je veux quand même pas le nouveau contrat. Hein. Vas-y, faut que je refuse, non? Propose-lui un nouveau contrat maintenant. Non, il veut toujours pas cet enfoiré. 40 millions, mais vous êtes malade, vous, hein. Vous êtes devenu cheap à mourir, le Real, là. Pas étonnant que je vous ai claqué en Ligue des Champions, hein. Les bouffes, là. Vraiment les bouffes, quoi. Ils sont là, ils se baladent. Salut, c'est nous, on est les bouffes. Quoi de beau Je vais commencer à parler très français, c'est 150 millions, et je bloque, et je leur négocie. Qu'est-ce qu'ils me font? Ils ont pas l'argent de toute façon. Imagine t'es Espo, tu soulèves le Real en LDC mais tu veux y aller. Mais c'est fou. Patrice Jean. Ah, ils ont des bons petits jeunes les... Oh là, y a tous les new gen là. Qui pop de partout. De la saison dernière avec des rachats. Putain mais c'est fou, attends, 40 millions les mecs sont venus. Ça parlait d'offres à 220 millions. Après c'est vrai qu'il est un peu en panique là. Il a fait des prestations où, bon, c'était pas non plus... Ansu Fati qui... Ansu Fati qui souhaiterait nous rejoindre. Oh, Ansu, je vais te présenter très rapidement le club. Iwobi, qu'est-ce qu'il devient? Iwobi... Ça chill tranquille à Everton, quoi. Je vois qu'on est en chill, là. Alors que Ansu... 200 millions. Oh, on n'est pas obligé de... Hudson, il joue à gauche. Hein. Ah, il joue à gauche. À droite, j'aurais kiffé. Extrêmement intéressé pour un transfert. Tout le monde veut venir chez moi. Hein. Échange Fati et Spo. Bah, c'est pas du tout les mêmes... Pas du tout les mêmes délires. Hein. Du. Ça vaut cher, tout ça. Hein. Non, mais en dessous, c'est 200 M.
En dessous, je peux vous faire, je peux vous montrer un petit 80M, tu vois, c'est juste non, quoi. Tu vois, ils prennent même pas le temps de réfléchir. C'est soit tu pètes la clause à 200M, soit tu es, j'ai pas 200 millions, même si je vends tous les joueurs, et c'est pas l'idée de vendre tous les joueurs pour... Qu'est-ce qui devient, le Van de Beek, là, hein? Ouais. Vend tout pour en dessous qui se blesse game. Ah, le Francisco aussi, hein. Ils ont des joueurs. Ils savent nous parler, eux. Ah si. Ce fabuleux joueur qui s'appelle Assi. Kaike Kayala ? Ouais, on a pas besoin. Il te faut un arrière-droit. Vous pensez que la prio, c'est arrière-droit ? Pour cette fin de saison ? Oh, belle. Oh, Francis. Pedri, ça veut pas vendre. J'imagine qu'il y a même pas de clause libératoire. Ou alors 147 millions. Je sais pas exactement. J'hésite entre milieu offensif droit. 122 millions pour Rhys James. Hein. Hudson Odoi, ça pourrait... On le voulait à un moment, un petit 60 millions, quoi. Je devrais... Non, mais j'ai pas envie de recruter Ansu Fati. Ah, Esposito n'intéresse plus le Real. Et là, on renégocie un contrat. Voilà, ma petite gueule. On va arrêter de péter les couilles, en fait, maintenant. D'accord, Seb? Je te rappelle un peu que je suis comme ton beau-père. J'ai pas envie d'utiliser des mots qui vont dépasser ma pensée. Tu me respectes pas alors que quand même je suis dans le rapport très intime avec ta famille. Allez, tu prends ça, tu commences à me mettre des buts, tu me casses plus les couilles et on y va. Tout simplement. C'est fou ça. Point d'interrogation, parce que t'as pas tout suivi, mais c'est vrai que on se souvient tous, hein. Saison 3, épisode 8, c'était dingue. La rencontre avec la mère d'Esposito, c'était fou, hein. C'était fou. La priorité n'est pas forcément arrière-droit, mais sur le côté droit. Ça, je suis d'accord. Ça se passe comment cette saison? Bah, plutôt bien, honnêtement. Grosse lutte pour le titre, où on est pour l'instant à 5 points des 3 qui sont du trio de tête, mais avec un match de retard. Donc, on n'est pas si mal. Sachant que là, depuis quelques temps, on n'a pas perdu. Mais là, tout va jouer contre Chelsea et Manchester United. Hein. Donc, tout va jouer là-dessus. Là, Southampton, les poteaux, l'idée, c'est un peu de potentiellement faire tourner. Sachant qu'on a du lourd qui arrive après. Donc, c'est pas d'aller cramer les joueurs pour rien. Donc là, c'est bien sûr du Ben Mendy. Y a un Sergio Gomez qui est de retour. Mais bon, un Dona. J'ai quand même envie d'aller la gratter quand même, hein, cette coupe. Hein. Ça, c'est clair et net. Tu joues clairement ta saison sur ces deux matchs-là. Aïe, ça craque. Qui est-ce que je mets? Lozano, il avait besoin de repos, ça disait. Je peux mettre un Sigurdsson titulaire, Sigurdsson. Mais Espo pour... Espo, je l'entraîne quoi depuis le début, là? Poste en match. Voilà, il est très au fait partout, hein. Je peux même plus lui parler. Non, mais là, ça serait bien qu'il marque un but ou deux, quoi. Ça pourrait le relancer, je pense. Que je me mettrais pas un Craig Rainey ou la casette, sinon je vais juste avec la casette, sinon on part juste sur la casette tranquillou. Le score est faux, j'ai win contre West Brom. Aïe. En fait, ça fait chier quand même. De Southampton est 13e, quoi. Et... directement, lui, il va partir en prêt. Badia mérite une petite titu. C'est vrai. Et Sanchez est un peu fatigué. Du coup, on va retrouver Bouba et Badia. Je mets un à la case. J'ai un peu peur pour Traoré. Traoré, tu vois, il est un peu... il est un peu en manque de souffle, Traoré, là. Sachant que j'ai Gendouzi qui est suspendu, quoi qu'il. Euh...
Est-ce que je mets un Sergio Gomes? Non, je changerai, je pense. Parce que j'ai aussi le Scott qui est blessé, donc... Non, je pense qu'on va jouer comme ça. Et je ferai tourner Traoré et Sergio Gomes à la mi-temps. Ce qui fait qu'on va quand même pouvoir avoir les autres bien, quoi. Mais au repos, Matteo. Le truc, ça va faire beaucoup de mecs au repos après, quoi. Espirito, c'est devenu un joueur que j'aime dans la vraie vie. Mais moi aussi, c'est pour ça que ça me fait beaucoup de mal, là. La vente... La potentielle vente. 75 minutes pour retrouver sa forme. Ils me disent que Tsigankov a besoin de retrouver sa forme. Moi, je les crois, mais bon. Quand on voit ce qui se passe, Lozano, je le mets même pas titulaire. Enfin, même pas sur le banc. J'ai pas gagné contre West Brom. Si, si, Sarah, si tu veux bien ajuster, ça sera fantastique. Allez, Matteo en pointe. Oh, c'est une confiance en la casette. Allez, vous me montrez de quoi vous êtes capable. Là, on repose un peu les joueurs pour les deux prochains matchs qui seront déplacements à Stamford Bridge et à Manchester United qu'on reçoit. Chelsea, c'est un gros match, mais pas un match... Enfin, c'est un match, on va dire... c'est pas un concurrent direct, ils sont quand même déjà assez loin. Mais United, c'est plus qu'important, quoi qu'il arrive, on veut gagner les deux. Allez, les poteaux, là, on y va. Petit match de cup, Mendy qui prend son jaune. La vie est belle. Petit but de la tête sur coup de pied arrêté. Petit hors-jeu. Fantastique. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Lacazette, là? Est-ce qu'il va nous faire du sale ou... C'est peut-être la... J'ai Zappa Costa qui vient de se blesser, là. Mais putain, mais c'est fou, ça. Hein. Mais j'en peux plus, moi. Mais c'est pas une vie, hein. C'est pas une vie. J'étais en train de dire à Mendy de tacler moins fort. Le temps que je dise à Mendy de tacler moins fort, l'autre, il se pète le genou. C'est un signe qu'il faut acheter un défenseur droit, mais... Oh non. Super, Donna. Oula. Magnifique, Donna. Bon, ça ferait plaisir de passer ce tour. Ça nous ferait plaisir de jouer la FA Cup, quoi. Ça, c'est clair. Après, c'est pas l'objectif premier. Oh, dommage, Sigur. Dommage. Tu collectionnes les cartons. Mais c'est ce qui fait qu'on récupère beaucoup de ballons, par contre, et qu'on met une grosse pression. Allez, allez, Matteo. La Lulu. Dommage. On sort. Oh, Matteo. Oh non. Le ballon dans le dos, il a fait peur. Hein. Allez, les gars. On croit en vous. Le foot qu'on aime. Un Lacazette, un Jamie. Le centre est mauvais. Genepo qui accélère. Camara qui a failli prendre un rouge. Vous êtes abonné. Merci, merci Widdles. Allez, Badia. Tranquille, les gars. Voilà, super. Super, Ahmed. Allez, Alex. Hein. C'est bien, Alex. Dommage, au-dessus. Ahmed, en vrai, il est très bon, mais il a eu du mal à nous montrer ce qu'il voulait. Hein. Ce qu'il pouvait apporter et tout. Dommage, ça passe. On va dire. Oh, Donna. Tini, merci pour le deuxième mois. Oh, j'ai mal. J'ai encore mal au cou, putain. Mal dormi. J'ai genre l'oreille charcutée à droite et j'ai le cou niqué à gauche. Ce qui fait que pour dormir, je suis en. Allez, Ahmed. C'est panique. Après, c'est un peu là. C'est un peu la strat qu'on a avec un truc un peu plus safe parce que sinon on prenait des sales contre-attaques comme on est beaucoup chez eux. Il y a peu de mouvement devant, c'est bien ça. Boum. Oh Ben. Oh Ben. Libère-toi mon Ben. Dors sur le nez. Ouais. C'est dur. Je dors jamais moi sur le ventre. Dommage. Dommage Badia. Allez les gars, là, on va chercher un but là. C'est Southampton. Je sais qu'on est à l'extérieur. Matteo qui ne fait pas un gros match. Peut-être échanger Matteo et Lacazette là. Pour la deuxième mi-temps. Si je fais match nul, ouais, c'est quoi? C'est je refais, hein, je crois en FA Cup. Hein. Noan? Oh, Noan. Oh, Noan. Noan. Qu'est-ce que tu nous branles? Pchut. Oh, je pensais qu'il allait récupérer. Oh, c'est un but, ça. Pff, Donna, il est trop fort. Donna, honnêtement, c'est fou, hein. Il a vraiment trois techniques, c'est un délire, Noan. Noan, on sent qu'il est pas à l'aise avec le ballon. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre Matteo en pointe. Matteo me fait un peu un match de merde.
Et je vais mettre Sergio Gomez à la place de Ahmed. Et on va échanger les deux. Et on va retrouver mon Sergio. Meilleur recrue Donna. Donna, il est... Donna, quoi. Situation de Donna assez classique. Et les deux, là, je les balance en attaque. Allez, go. On a peut-être pas dû faire ça, là, mais c'est l'attaque. C'est un peu trop offensif. Mais en même temps, ça compense avec un milieu récupérateur qui est un peu plus bas. Nous allons voir. Nous allons voir. C'est vrai que ce tour de FA Cup, on aurait pu tomber contre une petite équipe de 4ème division. Directement dès le premier tour, une team de première ligue, ça fait un peu chier. Mais c'est la vie. Vous voyez, Noan. Allez, Noan. Oh, on sent qu'il est jamais à l'aise, quoi. Oh, la casette. La casette, il joue toujours derrière. Il joue toujours derrière. Pantouf, merci pour le 4ème mois. Ah, Matteo qui est dormi sur une moyenne de 6,3. Allez, c'est le moment, mon Seb. Ah non, mais du coup, il me reste plus qu'un changement. Je sors qui, vous pensez, Matteo ou Lacazette? Soit je mets Tsigankov à la place de Lacazette, soit je mets Esposito à la place de... J'ai peur que Matteo se fatigue un peu trop aussi. Lacazette. Matteo est quand même pas chaud là. Mais le truc c'est que Tsigan est... En fait j'ai envie de redonner... Là l'idée c'est que j'ai envie de redonner de la confiance à Esposito. En même temps j'ai Tsigan qui est pas au mieux et qui a besoin de jouer pour retrouver sa forme. Espo sur l'aile. Je peux faire ça. Je vais faire ça. Mais c'est chaud parce que Matteo du coup il va beaucoup jouer. Ce qui fait que après techniquement ils pourront alterner. Allez, allez Sergio. Au fait, super, super Badia. Allez, Arnor. Oh, Arnor, la passe est dégueulasse, frère. On prend un vieux but. Allez, on bouge un peu son cul, les gars, là. Ça serait bien. Tsigan peut apporter plus de ballons intéressants à Matteo. Oh, on a peu le jeu, quand même, là. En même temps, ils jouent le match de leur vie, Southampton, là, ils vont jouer les cups, ils sont 13e, t'as rien à jouer. T'es en galère comme jamais. Je comprends, c'est ce que j'ai fait, moi, les saisons précédentes. Hein. Tu sais que l'Euro, c'est fini. T'es juste en train de te dire, si je finis 9 plutôt que 11, c'est l'exploit de l'année. Allez, Tsigan. Oh, dommage, c'était intelligent, la petite passe, là, pour Sergio. Dommage, le bloc est vite monté. Clac, 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 je peux pas faire grand chose de plus, hein. Je peux pas faire grand chose de plus, décroche un peu plus. Mystery, merci pour le prime. Venir de décrocher pour qu'il soit plus trouvable, quoi. Oh là là. Oui, Jamie. Oh, dommage. Dommage, mon Jamie. Ça aurait pu faire le taf, un petit 1-0, là, bien chum, comme on peut les aimer. Oh, les passes, putain. C'est bien ça. Douglas, il se barre. Hein. Putain, on a Zappa Costa qui va être blessé, du coup, aussi. Hein. Allez, Noan, le ballon pour Sigurd. À gauche, il y a Mendy. Jamie, il l'a peut-être vu. Non, ça repasse par Noan, tout là-haut, du coup. Jamie qui va tenter. Oh putain, Matteo. C'était l'occasion. C'était l'occasion. Limite, autant se faire éliminer que d'avoir un match à rejouer. Bah, le match à rejouer, il va faire chier, niveau... Après, c'est quand même une belle coupe à jouer. Ça serait un beau titre à ajouter. Ça nous fait un titre de plus à chasser, tu vois. Oh, petit gant, petit jaune. J'ai déjà fait 3 changements, donc je peux plus rentrer Esposito ni rien. Matteo qui va se cramer un peu, du coup. Allez. Allez, Matteo. Allez, tout droit. Il a essayé le tout droit. Oui, Victor. Oh. Vas-y, on tente une solution un peu plus pour les dernières minutes. Du coup, lui, je le mets en... Je le mets en box-to-box, mais je lui dis de ne pas monter.
si jamais, pour les 5 dernières minutes, les latéraux qui vont avoir un rôle un peu plus important. Mais là, ça sent fort le match du Loulaklim. On la connaît. Matteo peut-être. Matteo pour Sergio peut-être. Oh, Sergio, la frappe lourde. Elle était belle, cette frappe. Hein. Allez, les gars, allez, allez. Tigan, premier poteau, Badia. C'est Bouba. C'est rien du tout. Il panique en face, en plus. Hein. Putain, on a 15 frappes, 5 cadrés, quoi. Oh, on va devoir rejouer. On va devoir rejouer l'enfer. L'enfer est total. On n'a jamais mis de but à la 93e cette saison. Enfin, durant toute cette aventure. On n'a jamais mis de clim, nous. Oui, peut-être. Oh là là, frère, t'es mou! Putain, c'est chiant. Mais grosse! Oh. Ça aurait été la première. C'est dommage. Oh la pas de chat, quoi. Ah, c'est fou. On va balancer devant, mais ça va siffler direct. Match à rejouer. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est dommage. Semblait stressé. T'as pas été bon, la case. T'as pas été bon. Je te le dis. Aïe, 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 aïe. Harris et Bizot se connaissent bien. 6 semaines de blessure pour Zappa. Mais ça, c'est bon, ça. Ça faisait du bien. L'avancante semble plus fébrile que jamais devant le but. Ah, la casette, ouais, il est pas en grosse confiance, quoi, la casette. Putain, du coup, faut rejouer le match. Il n'y a pas de prolongation sur FM. Si, c'est juste qu'en FA Cup, en fait, il n'y a pas de... Si jamais t'as match nul, tu rejoues le match. C'est pour ça que c'est très chiant pour les gros clubs. Genre, Liverpool, je crois, avait eu ça récemment. Quand tu fais un match nul et que t'as un calendrier où tu joues la Ligue des Champions, la Première Ligue, et que c'est que des matchs hyper intenses, le moment où tu dois te retaper un match contre une petite équipe, c'est infernal. M. Casanis, merci beaucoup. Achète un DD. Ça me parle de défenseur droit, peut-être, hein, ouais. L'achat du défenseur droit. Mais bon, si on a quand même ce problème en milieu offensif droit, hein, du coup, hein, qu'on soit quand même d'accord. Qu'on soit quand même d'accord. Attaquant. En fait, le truc, c'est qu'attaquant, j'ai les délais qui va revenir. Donc pour moi, un buteur, c'est pas l'idée. Soit on recrute un milieu offensif droit, soit un défenseur droit. C'est ça la vraie question. Mais j'ai pas besoin d'un buteur. Buteur, j'ai Nedelec qui va revenir et j'espère qu'il aura fin de match. Sardella. Alors, on a déjà été sur le cas de Sardella qui... Il est vrai... Est intéressant, mais pas suffisamment. Mais c'est qui ces mecs là, Claudio Beis là? Ouais, c'est le gars, putain, il est à Valence en plus. Il y a bientôt la Ligue des Champions qui se rapproche, hein. Richarlison. Clac. Putain, 7-0, ils ont mis les Wolves. Le plaisir. Rafinha de Rennes. En milieu offensif. Regardons qui y a déjà en latéral droit qui peut être intéressant. On a quand même 60 millions de budget. Donc on a de l'argent. On a de l'argent à investir. Merde, ça bug. Football Manager. Qui est-ce qu'on pourrait mettre? Petit Alvaro, hein. Non mais Arnold, c'est je ne sais même pas combien de millions. J'ai pas l'argent. Salaire. Ah oui, il est à 1,3 million, ouais. Il veut demander 1,3 million ou 1,8 million. Oui, nous passons sur cette proposition. Le truc, c'est que ça va être que des salaires de porc et que des mecs... Je vais pas avoir beaucoup de choix. Hein. Avoir un truc qui est mieux que ce que j'ai déjà. Mais il joue pas, Hakimi. Mais tu vois, Hakimi, c'est pas mal. C'est bon, c'est très fort physiquement, mais c'est pas non plus sur FM, en tout cas. Hein. Tu vois, il a du centre. Alors oui, il est au-dessus de mon Douglas Borrell, hein, mais... tu vois, c'est pas hyper vendant, quoi. C'est pas le truc où tu te dis, putain, on y va, on va le faire, quoi.
Il joue à droite. Pourquoi pas un prêt? Parce qu'en prêt, t'as des joueurs qui ont envie de... T'as des joueurs qui ont envie, comment ça s'appelle, de... Kimmich avait de cher. Qui ont envie de... Enfin, qui sont jeunes, quoi, généralement. T'as pas des très gros... Carvajal. En vrai, Ah, mais Carvajal, il commence à être un peu mou niveau vitesse. Carvajal est pas mal quand même. Il est vieux, mais bon, pour. Quoi qu'il arrive, il va être en fin de saison. On s'en fout, il va être en fin de contrat, pardon. Bah, 700 000, c'est moins que ce qu'on pourrait avoir à côté. Hein. Il a toujours 19 de volume de jeu. Défensivement, c'est 15 en tac, 13 en marquage. Et vu notre tactique, c'est un peu ce qu'on cherche. Bonjour les gens, salut Fabrice. Lucas Romero. Faut quand même un peu de qualité de centre. Aarons, pas cher. Non, ils veulent pas le vendre. Ils veulent pas le vendre, Aarons. Bon, j'ai le match à Stamford Bridge en plus qui arrive. Aïe, 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 aïe. Et j'ai re-signé un contrat sur Esposito, donc j'aurai moins de budget que prévu. Ça va pas être à oublier non plus. Ah, la casette, j'aurais jamais dû le mettre titulaire. Coupe d'Angleterre. Le Manchester United Liverpool. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Match nul. Parfait, ils doivent rejouer un match. Sublime. Sublime. Que les deux doivent rejouer un match, c'est parfait. Pavard, ils le font beaucoup jouer en DC. Regarde, Guga. Tu peux peut-être être recruté par une équipe nationale. Ouais, mais c'est pas trop l'objectif, quoi. À quoi avoir de gros latéraux si on joue qu'à une pointe avec Espo? Non, je dis peut-être n'importe quoi, mais vaut mieux mettre beaucoup pour un MOD. Ah bah, c'est très différent. Justement, un gros... Les gros latéraux, c'est aussi eux qui font le jeu, quoi. Que ce soit défensivement ou dans la construction ou les ou dans les propositions, quoi. Donc, Là, c'est léger, hein. C'est comme Meunier. Vas-y, Tsigankov, nique ta race. C'est bon, il me casse les couilles, cet enculé, là. Frère, il s'est passé quoi? C'est pas possible. Il y a un souci sur le système immunitaire ou un truc, là. Ça va plus. C'est infernal, le mec. C'est... Un Jadon, ça serait à peu près dans nos budgets, mais... Je prendrais qui, si jamais? Alors, je prends Watford derrière, encore. C'est Gourcuff en russe. Ah ouais, il est chiant, là, l'Ukrainien. Pourtant, on l'a aimé, hein. Faut décontaminer les locaux. Ouais, je crois, hein. Je crois qu'il y a un souci, hein. Il a quoi, une grippe encore? Intoxication alimentaire. C'est déjà arrivé, je sais pas ce qu'on fait à la cantine, mais on a un souci. Hein. Ouais, parce que sinon... Parce qu'honnêtement, le truc, c'est que Douglas Borrell me fait des matchs insane, hein, les potes. Hein. C'est ça le truc que je me dis, moi. C'est que Douglas Borrell, il a 7-13 de moyenne. Le mec, il fait que progresser. Je sais pas si j'aurais beaucoup mieux que ça, quoi, tu vois. Je peux avoir un peu mieux, mais je vais mettre 60... Je vais mettre tout ce que j'ai pour un gars qui va pas être bien meilleur que lui. Ça, c'est un peu mon hésitation, là. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Oh, Alexander Arnold, c'est fou. C'est dingue. C'est si beau. Honnêtement, c'est vraiment beau. Plus de saturation à la musique, s'il vous plaît. Fait une folie. Et de l'autre côté, ils ont Robertson. Non, ils ont Grimaldo et Robertson. Ils se mettent pas mal. Meilleur DD du monde, pas du jeu. Ah ouais, non, clairement. Il est beaucoup trop joué, mais il est si jeune. Tacle 13, marquage 13. Ah bah t'inquiète, comme il a tout à côté, c'est parfait. Trent, meilleur DD. Ah, je trouve que c'est dur d'être aussi... Je trouve que c'est un poste où tu dois savoir faire tellement de trucs. Tu dois savoir bien défendre. Mais en même temps, bon, déjà, niveau cardio, on n'en parle pas.
Si Gankov qui revient. Ah, Esposito qui signe un nouveau contrat. Allez, c'est peut-être l'occasion, là. Oh là là, ça baisse, hein. Chauffe-toi, putain. Allez, bouge ton cul, là. Allez, Espo. Allez, Chelsea, là. Le match en retard. Le match en retard, on va le chercher. On va le chercher. On a qui ? J'envoie du Lozano à gauche. J'envoie du Renan Lodi. J'envoie du Davinson Sanchez. J'envoie du Douglas Borrell. J'envoie du Esposito en pointe. J'envoie du Guendouz. T'es où, Guendouz ? Le Guendouz en box-to-box. J'envoie du Sergio Gomez. Tout le monde s'entend bien ici. Là, ça pourrait être propre de commencer à avoir un lien pour les deux. Un petit Scott Reilly sur le banc, bien évidemment. Deux défenseurs centraux, c'est peut-être pas l'idée, ça, on va plutôt se la jouer comme ça. Tsigankov, il me faudrait un mec devant, c'est Sigurdsson. Sigurdsson qui est observé par Arsenal. Ça aurait... Ah, mais il vaut plus que 9 millions. En même temps, je le fais jamais jouer. Ce qui aurait été propre, c'est une très grosse offre pour Sigurdsson. Et que j'achète un... Ouais, mais bon, ça me mettrait dans la merde à un autre niveau. Genre Hudson-Odoi ou quoi. Et on part comme ça. Un def latéral. J'ai pas de def latéral, sauf que Zappa Costa est blessé. Ah, un petit Ben Mendy, ça peut être bien ça. Un petit Ben Mendy, et je mets Craig Rennie, comme ça au moins, si jamais j'ai Renan qui craque, j'ai des choses. Et je pense que là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal, on est capable de peut-être faire du sale. Je vais mettre en positif, je pense, contre... Je vais partir en positif contre cette belle petite équipe de Chelsea. Et on y va. T'as eu des offres à 60 millions. Ouais, mais une saison où on avait besoin de le garder pour justement assurer la suite. Et c'est con. Joe Wibbs, merci pour le prime. Bon, Hudson-Odoi. Ah, mais ils ont une team. Ils viennent de recruter Gravenberch. 70 millions. Il est trop chaud en plus. Oh, ils ont une team, mec. Donc, c'est pas très défensif tout ça. Hein. Hudson-Odoi, Lozek, Mount, Havertz en pointe. 11 buts quand même. James à droite, Tomori, Ruben Dias, Chilwell. Il y a Hakimi sur le banc, il y a Coutroné. Il y a Oussem Aouar. Même Digne n'est pas mauvais. Il est trop bas ton milieu central. Non, t'inquiète. C'est jusque là sur le schéma, t'as l'impression. Mais comme je joue très haut, au final, non. Allez, véhément les potes. Allez, on a besoin d'un gros match là. On a besoin d'un très gros match. Allez, on y va là. Allez, les 3 points. Dreyer, on va recevoir Manchester United. C'est le moment ou jamais là. Grand rival en plus. Allez les poteaux là. On se donne à fond. Allez mon Mathéo, hein, j'ai besoin de toi. T'as pas été très bon le match précédent, ça arrive à tout le monde. Apparemment ça va re-arriver. Thiago Dantas. Pff, le mec me fait un coup du foulard. Le mec me met un petit coup du foulard pour centrer. Ok. Je vois que vous êtes ce genre de gens. Allez, il va falloir créer un peu de jeu quand même. Hein. On va plus voir grand chose là. Allez, une action là. Oh non, c'est pas bon ça. C'était chaud. On peut pas perdre à chaque fois contre les gros. Hein. Heureusement, la victoire contre Arsenal nous a mis bien. Faut continuer dans cette logique. Esposito pour Ahmed. Ahmed la frappe. C'est mou. Non, dans le dos. Super la couverture. Super Renan. Il y avait Davinson aussi dessus, Guendouzi avec Douglas à nouveau. Pour Guendouzi, attention, on passe pas facile. Hein. Voilà, on propose les gars, on propose. On vient soulager les copains. Direct, dans le trou, il y avait de l'espace là, sortez en triangle. Si vous restez statique, les mecs, forcément. Hein. Elle était bien cette... Ah super, on rentre, on repique à l'intérieur. La petite passe en retrait pour Esposito qui a juste derrière. Fixe un peu plus. Allez les gars, boum. Oh, j'ai cru que ça allait dans les buts. Oh, c'est faute, c'est jaune. C'est pas jaune, c'est Sergio Gomez qui prend un jaune. Pourquoi ? Engagez-vous moi. Allez, Espo. Oui, Ahmed. Sergio, boum. Oh, Guendouz. Oh, Matteo qui pourrait devenir notre... Je lui dis de décrocher à Seb. Oh non. Mais non. Mais c'est quoi ce but? Je prends... Contre les top teams, je prends que des coups francs nimpes. Mais on... Mes frères. Mais c'est quoi ça? Mais il a 13 ans coups francs, cet enfoiré.
Mais qu'est-ce qu'il me dit? Allez les gars, montrez que vous avez du caractère là. Allez Mathéo. Allez, on y va là. Super. La passe en retrait. La passe en retrait, enculé. On va commencer à te parler comme ça maintenant, c'est pas possible. 30ème minute, c'est pas perdu les gars, c'est pas perdu. On a pris quand même un sale coup franc. Et c'est ouf, hein, on a pris... Oh, vas-y. C'est bien, Donna, c'est bien, super. L'envolée. Renan qui prend un jaune. Enfin, on voit pas le jour. Après, dans les stats... Allez, avant la mi-temps, là. Ça ferait du bien. Sergio. Sergio avec Renan. Lève la tête. Dommage. Encore Ahmed, encore Ahmed. Oh, il sort, il empêche la touche. Pressing. Grosse tête, super, Sanchez. Allez, Renan, encore. Il y a une action à jouer avant la mi-temps, là. Force le jaune. Oui. Boum. C'est frappe, Traoré, on n'en peut plus. Je te le dis aussi. C'est la pause. Putain, contre City, on perd à cause de ça aussi. On prend un vieux 1-0 parce qu'on prend un coup franc direct de Bernardo Silva. On a du mal sur les centres aussi. Hein. Dans la surface, on a du mal à... Centre. Oui. Quoi? Et nous, on rentre pas ça. Nous, on rentre pas ça, c'était incroyable. Putain, Lozano, je te plaît, je t'en supplie, là. Lozano, je te le dis en véhément, là. Sors-toi les doigts, cousin. Renan, c'est pas assez aussi, hein. Putain, il met une bête de reprise, elle finit sur la barre. Allez, les mecs. On peut le gagner, ce match. J'aurais dû être agressif avec eux, leur dire vous faites quoi, bande d'enfoirés? Putain. Un pied là. On a besoin de récupération, on a besoin de ballon. Oh là là, en plus on se fait. Oh là là, on se comprend. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est les pires buts. Je vous crache à la gueule, Chelsea. Je vous crache à la gueule. C'est le pire but. C'est Esposito qui fait cette relance. Oh là là, c'est les pires buts. Ils ont fait 4 frappes cadrées, ils mettent 2 buts. J'ai envie de mourir. J'ai concrètement envie de mourir à l'heure actuelle. Ok. Lozano, vas-y, je te sors, c'est bon. Encore un corner là, faut se réveiller les gars. Faut se réveiller, il y a un moment où ils sont pas si forts que ça quoi. Et c'est eux qui font le jeu de A à Z. Allez là. À l'extérieur, on a du mal avec cette tactique hein. Allez mon Matteo. Oh là là, on a pas de chance. En plus Sergio, c'est dommage, il fait un gros taf hein. Fait vraiment un gros taf Sergio et ça passe pas hein. Ouais, c'est dans les bras de Kepa là derrière. C'est dommage, on joue bien. Putain, le cran d'arrêt, c'est notre match en retard hein. Celui-là c'est notre match en retard, on a l'avantage que Chelsea soit pas un concurrent direct. Ils sont à 3 points derrière nous s'ils nous battent là. Bon. Matteo 6,3 aussi. Je sais plus quoi faire là. Là je sais même plus On a le public combien est ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Bon, qui a chié, là ? Ça va être assez simple. Qui est dégueulasse ? Non, honnêtement, je pense qu'il nous faut un milieu offensif droit. Hein. Je pense que c'est ça, le truc. Hein. Espo out. Espo, c'est les... il a pas grand-chose à faire, quoi. Je sais pas ce qu'il fout, mais il a pas beaucoup de ballons ni rien. Hein. Je vais envoyer Ben Mendy au charbon et je vais envoyer la casette. Mais on sait déjà que la casette va pas nous faire un grand match, tu vois. Et ça me fait un peu chier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer Traoré ici. Et en fait, je vais envoyer Scott Rey ici en meneur de jeu soutien. Et on va tenter. De toute façon, on prend 2-0, on a 30 minutes. Ahmed, il nous avait fait des bons trucs côté droit quand on l'avait vu.
Mendy, il peut avoir faim sur son côté gauche. Scott, il peut faire la diff aussi. Vous avez mis une grosse frappe. Allez, mon Scott. Super, Scott. Allez, Mendy. Allez, faut faire plus, les gars. Faut faire plus. Faut prendre ses responsabilités, là, les mecs. Hein. Oh, la barre. Vas-y, vas-y. C'est bon aussi. Stop. On n'a jamais le droit d'être heureux, là. On prend des giga frappes. FC, ça veut pas. Ça va être une défaite. Hein. Ce match, ça va être une défaite. Contre les camps, on se déplace chez les gros, faut qu'on revoie. Hein. Parce que même en Ligue des Champions, ça va être problématique. Hein. Pouh, Donna. Pouh, mon Donna. Ils ont une équipe de malades, Chelsea. Ah bah, tous les très gros. Hein. On fait autant de frappes cadrées qu'eux. On a autant de possessions. Ah, juste. Oh là là, et Kepa aussi, mec. Kepa, il a fait des arrêts, poteau. Gomez, il nous fait un bon match. Hein. Il a tenté, hein. Il a essayé, juste. Oh, vas-y, c'est bon. 72e arrêt. Ça va aussi. Hein. Super, mon Ben. Super, Ben, c'est beau. 2-0. Ouais, c'est juste du agressif, là. C'est juste du agressif. Loin d'avoir apprécié ce résultat. Putain, Lozano, Matteo. Il me faut des ailiers. Putain, la défaite là de Leeds, ça fait mal. Hein. Trop de fautes. Là, je pense que c'est même pas Espo. Hein. Je pense que c'est même pas Espo là. Est-ce que je fais une réunion d'équipe? Putain, Guendouzi qui est suspendu à nouveau du coup. United qui ira sûrement en finale de la Carabao. Est-ce que je fais pas une réunion d'équipe maintenant là? Le souci c'est que Sancho ou rien. C'est que j'ai mis tellement dans Lozano que à l'extérieur il te faut un peu plus d'expérience sur le terrain. Mec, ils ont tellement tous de. Le truc c'est qu'on a pas si mal joué dans le calendrier quoi. Je leur dis quoi, on peut faire mieux? Tu vois, on fait que gagner nos matchs. Hein. En fait, le souci c'est que pour eux, pour la team, je demandais à Badia comment ça se passe dans le vestiaire. En fait, pour la team, genre, ils pensent pas qu'on va viser qu'on va gagner, tu vois. Donc, pas trop ce qui est améliorable, tu vois. Donc, je pense pas de réunion, sinon il va avoir le seum. Parce qu'honnêtement, là, dans la saison, bon, on fait beaucoup de nuls. Défaite, c'est contre Chelsea, City, Liverpool. Sinon, on perd pas. Là, faut gagner, par contre. Hein. Là, faut gagner et... Faut que je me penche sur le milieu offensif droit. Hein. Sancho et Modé, mais il joue à gauche. Putain, Espo aussi. Hein. Espo, il se révélera jamais, je pense. Hein. Déjà, je vais changer dans la tactique. Ça, je mets en offensif. Je vais varier les centres un peu. Sancho a pas les deux pieds. Sancho est bon des deux côtés. Genre, je mets tout sur Sancho, vous pensez? 68 millions quand même. Il a un pied gauche acceptable, tu vois. Il va être bien meilleur à gauche. À droite, il va un peu ramer quand même. Après, il est bouillant quand même, le mec. Hein. Déterminé, régularité. Oh, on pourrait rêver avec Sancho. Hein. On pourrait rêver. Hein. Si je mets 40... Plus 30. T'en dis quoi, toi? 40 plus 20. Mais ils vont jamais accepter 40 plus 20 pour Jadon Sancho. 80 plus 28. Cher. Après, au pire, je le fais jouer ailier à droite. J'envoie 40 et 40. Hein. 40 et 40, ils disent quoi? Oui, ils acceptent. Oh, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Et en contrat, il va me saigner par contre. En contrat, il va vouloir me saigner. J'ai de choc. J'aurais pu peut-être négocier en mensualité 5 millions de moins, mais bon. 930K. Je peux pas lui offrir 930K. Je peux pas augmenter son salaire.
Ça peut être très propre hein, pour finir avec un Jadon Sancho. Ça nous prendrait tout. Pire la revente. Voilà, on n'est pas prêt de le revendre. 196, je peux pas ma gueule. J'ai pas l'argent en fait. Ça passe, on y va. On se ruine la gueule, mais Jadon. Hein. Jadon. Hein. Jadon. Hein. Les gars, Jadon Sancho. Hein. Il pourra pas jouer la LDC. C'est pas faux ça. Il pourra pas jouer les cups. Il a déjà joué. Il pourra pas jouer les coupes. Si, il pourra. Les coupes, il en a pas joué, donc il pourra, je pense. Maintenant, si. S'il peut jouer la LDC. Et ça nous fait un anglais, quoi qu'il arrive. S'il peut, nouvelle règle. Mais si. Putain, ça peut être propre, hein, d'avoir Jadon Sancho, quand même. Hein. Là, il revient de blessure en plus. Volonté de faire du sale. Il a 14 en centre, je peux le mettre... Et je le mets ailier attaque au pire à droite. Hein. Et il nous crée des, il nous crée deux angles. Un qui repique à gauche et ça va me désaxer. J'aurai pas assez de gens qui repiquent. Après, il peut jouer des deux côtés en vrai. Hein. Maintenant, vente Sigan. Non, on n'a pas besoin de vendre là. Putain, United. Lozano peut jouer à droite. Lozano, il a les deux. Lozano, il est assez fort. Il peut jouer les deux, ouais. Il peut jouer les deux. Plus de doublement à droite. On va voir, on va adapter. J'ai Nedelec qui revient bientôt, entre 2 et 4 semaines. Hein. Faut tenir. Par contre, je peux pas jouer avec Guendouzi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre Jamie. Clac, clac, clac. On va jouer comme ça, là. Avec Craig. Putain, ça peut être propre, hein. Ça peut peut-être nous apporter un peu de bonheur, ça. Hein. Ok, on y va. Bon, là, il faut espérer que ça bégaye un peu. Hein. Norwich, Brighton, Tottenham. Allez, les gars. Allez, là. Accrochez un peu les mecs, hein, parce que moi, j'en peux plus, là. On a besoin que vous les accrochiez, là. 4-0. Pas beaucoup accroché, du coup. Accroché de manière assez relative, là, quand même. Tu as toujours ton problème de DD. Non, mais Douglas Borrell, il va tenir. Sancho vers Leeds. Mesdames et messieurs... Mesdames et messieurs, je pense que... Je pense que ça part avec Jadon Sancho. Hein. Ça part avec Jadon Sancho, les potos. Hein. On y va. Hein. On y va, on va rêver. Hein. On va rêver avec Jadon. Hein. Oh, Jadon Sancho qui... Oh, il est chez nous. Il est chez nous. Allez, Tsigankov, va l'accueillir, là. Le mec qui est en train de te prendre ton poste. Jadon, ok. Il est formé en plus au pays, etc. C'est fantastique. Tiens, le petit rune, clac. Je le mets aussi sur la liste. Ça, c'est parfait, ça. Ça. Bon, alors, par contre, on a claqué tout notre budget éternel, là. Hein. Là, c'est fini pour les 8 prochaines années, là. From zero to Sancho. On a failli l'avoir, en plus, il y a 2 ans. Mais juste, il avait préféré City. Et à City, j'ai l'impression qu'il a pas fait grand-chose. Putain, ça fait plaisir. C'est sorti nulle part, en plus. Je pensais qu'il demanderait beaucoup plus. Il était en retour de blessure. Je prédis une blessure. Oh, non, s'il vous plaît. Non, non. Au moins qu'il puisse jouer. Oh, City qui fait nul contre Brighton en plus, c'est bon ça. Mais City, c'est pas nos adversaires directs. City, ils ont un point de moins, donc... Un point de moins, pardon. C'est vraiment Arsenal, United et Chelsea... Et... Oh oui, Arsenal qui fait match nul, pardon. Liverpool, là, ils ont quoi? Ils ont 8 points de plus que moi. Il faut que je recolle à 5 points. Il faut pas... Putain, faut vraiment que je batte United. Faut vraiment que je batte United. Après, il nous reste 18 matchs. Hein. La saison est pas finie, quand même. Record de dépenses pour Leeds. Ah bah là, ça y est. Hein. Sancho bientôt présenté à Bizot. Allez, Jadon peut mener ce club au sommet, il va nous rapporter des points. Arrivé, où est-ce qu'il va être le meilleur? Sans commentaire. Hop, sans commentaire, Jadon recrute grande classe. Grosse erreur sur le... Immédiat, Jadon retour de blessure. Test physique, 45 minutes recommandées pour Jadon. Ah, mais Jadon, il est cramax, là. Là, je crois qu'il est vraiment en situation de cramax, là. Là, il en est où, là?
Oh, j'ai Jadon Sancho, putain. Prêt à jouer bientôt. Ouais, on va pas le faire jouer tout de suite. Hein. On va éviter de blesser notre joueur dès le début. Dès le premier match. Ça pourrait être intéressant. Je vais mettre Tsigankov. Honnêtement, il me fait une sale saison. En même temps, il a fait que se blesser, cet enfoiré. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? C'est qui, mes gars, qui sont au top de la hiérarchie? Ah, c'est Tsigankov, Badia, Esposito. J'ai Tsigan qui... J'ai Tsigan qui est perma blessé, Badia qui joue plus, Esposito qui marque plus. Pas le prévenir du retrait de... Un joueur est mécontent. Qui est mécontent? J'ai des promesses à faire? Content du nombre de matchs qu'il a disputé. Ah voilà, il est content, il me casse pas les couilles. Pardon. Des personnalités très contrastées. Excusez-nous. Excusez-nous. Bon, allez. On va y aller sans Jadon, qui va regarder le match depuis la tribune. On a besoin d'un gros match, les gars. On a besoin d'un gros match, Met Sigan. Non, Met Sigan, il va se reblesser, là. Remplaçant Sancho. Non, il est à 83%, 73. On va pas le lancer dans un match où... On va pas le lancer dans un match où il est même pas prêt, quoi. Mets-le sur le banc. Non, ça sert à rien, je vais pas le faire rentrer. Le gars, il est encore blessé, il a pas repris l'entraînement. Vous me dites des trucs, vous Non, il va regarder le match depuis la tribune. Il va falloir qu'on se batte justement pour lui montrer. Lozano, j'espère qu'il va montrer qu'il a envie. Hein. Rashford, Camavinga, Ruben Neves, Bailey, João Félix, Greenwood. Bonjour. Enchanté. Salut. Est-ce que tu aurais moins de crack à disposition, s'il te plaît? Parce que là, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est. Il n'y a que ça. Il n'y a absolument que ça ici. Bien sûr, voilà, on est dans du... Oui, là, c'est... On sent que, oui, c'est beau, quoi. C'est beau, hein, c'est... Ouais, on n'a pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois. Allez, Jamie, hein. T'es un enfant d'ici, tu peux pas me dire que tu t'en bats les couilles quand je te dis ça, hein. Tu peux pas me dire que t'en as rien à foutre quand je te dis qu'on s'est fait claquer la dernière fois et... Allez, mon Seb, je crois en toi, Seb. Allez, Seb, allez. Allez, les gars, là. Allez, c'est important, c'est peut-être le match de la saison, là. On a perdu contre Chelsea, déjà on devait pas le faire. C'est maintenant ou jamais là. Franchement, je le mets en long résumé celui-là. J'ai envie de comprendre ce qui se passe, j'ai envie de tout savoir. Allez, Douglas Borrell, super Sergio, l'effort. Super l'effort. Allez, on y va. Allez, Lozano, allez, éparpillez-vous. Oui, Ahmed. Oui, Jamie, on se bat. C'est dommage, c'est bien, mon Seb. On a envie. Oh non. Infernal. Mais je suis la pute de la game. Merci pour le prime, Braze. Attends, l'autre qui fait une relance de 25 mètres. Le mec, il fait passer en profondeur. Mais pourquoi t'es là, Douglas Borrell? Et Camara aussi. Oh là là, c'était facilement arrêtable. On prend déjà un 0, mais putain, mais... Encouragé. Allez. Mais qu'est-ce que tu... Je vais craquer, hein. Mais je vais craquer. Oui, Irving. Allez. Vite, là-haut. Putain, lui, il met que des mines, lui. Il met que des mines. Fallait garder Pic-Pic, hein, jamais ça. Ça a bien un truc, je pense, on est tous d'accord, c'est que Pic-Pic, fallait le virer. Hein. Oui. Hors-jeu, putain. Arrêtez de refaire la passe au mec qui vient de tirer le corner. Hein. Ça, c'est... Voilà, typiquement. Hein. Je pensais que ça, c'était un peu compris. Oui, Sergio. Non, s'il vous plaît, les gars, allez, on fait que dominer, c'est bien, les mecs, c'est bien, on a du caractère, oui. Allez, Douglas. Ahmed, Douglas, tu l'appliques, ce centre. C'est pas grave, c'est bien, corner, allez, là. Pff. Une tête, premier poteau. Oh, c'est de Réa. C'est de Réa, on n'arrive pas à les bouger, là. Oh, et derrière, une action, un but. Mais pourquoi ça? Pourquoi on construit pas? Oh, la passe, elle est millimétrée. Super Donna. Magnifique. Allez, mon Lozano. Lozano avec Ahmed. Ça panique un peu. Lozano à nouveau. Lozano pour Sergio. Vous marchez dessus, les gars. Ouverture là pour Esposito. Esposito justement qui provoque. Esposito, deuxième poteau pour Matteo. C'est dommage. Comment on peut ajuster ça? Comment on peut adapter là? Vous avez fait un match nul à l'extérieur contre Super Renan. Super. Frappe pas, s'il te plaît. Je te hais, gros. C'est un tout droit et une tout frappe. On domine.
Péno. On domine de ouf, hein. Ouais, ça passe au-dessus, ça passe au-dessus. Tant qu'on sait pas cadrer une tête aussi. Je sais pas ce que vous foutez à l'entraînement, ça commence à être terrible. Hein. Ça commence à se voir. Ah bah eux aussi, ils ont eu du mal à... avec les retours de hors-jeu, là. Allez, Sergio, elle est belle. Elle est belle pour Lozano. Lozano pour Jamie. Jamie qui se faufile. Jamie qui frappe, mais c'est sur le goal. Ma finition est dégueu. Ouais, ouais, mais pourtant, on fait de l'entraînement finition. On fait du... Allez, hop, Rashford. Oh non, c'était bien joué en plus la part de Douglas. Oh, pff, Donna qui la sauve. Eux, c'est terrible. C'est... En même temps, ils ont des joueurs. Après, on commence à avoir des sacrés joueurs aussi. Hein. Allez, mon Sergio. Dommage, dommage, dommage. C'est bien joué. Rashford, il fait les efforts défensifs. Hein. Je leur dis, ne frappez pas et tout. Et à un moment, je comprends plus, moi. Super, Sergio. Allez, c'est pas fini, Sergio. Jamie. Non, Matteo. Il est trop petit. C'est bien, Douglas, la couverture. C'est bien, on repasse par Donna, il n'y a pas de souci. Voilà, tranquille, tranquille. On construit, super les gars, super, c'est pour nous. C'est un corner. Ah, c'est hors-jeu, putain, il n'arrive pas à partir à la limite du hors-jeu. Il n'y arrive plus, ça. Lozano. Lozano avec Douglas. C'est un corner à nouveau, mais 70e corner. Mais on est le club qui mérite le plus. Mais oh, on s'en bat les couilles de mériter au bout d'un moment. Traoré. Oui, Lozano. Jamie, reviens sur tes pas, mon Jamie. Oh là là, oh, c'est mou. Oh bah ça, Greenwood. Pas de jaune là-dessus. On va demander plus. Allez, pression, pression, pression. Récup. Ah non, ils vont sortir en triangle. Ça va partir en contre-attaque. Rashford seul face au but. Dommage, le tackle était bien. Super, Renan, hein, côté gauche. Hein. Tiens la baraque. Esposito, hein. Il est souvent solo, quoi. Du coup, il est toujours obligé de repasser par l'arrière. Et nos moments forts, ils finissent jamais en moment vraiment fort, quoi. Et c'est encore un corner. Le truc, c'est qu'on peut marquer que sur coup de pied arrêté, nous. Sanchez, il essaye de mettre des coups de coude. Hein, je le comprends, au bout d'un moment. Au bout du 20e corner, tu commences à les connaître, les mecs. Hein. Pff, mais genre, on est juste là pour gratter des corners. Je sais pas si on a une prime de corner, mais... Faudra que je revoie les contrats, là. Bien, 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 super ça. Putain mais on, par contre... Oh. Sergio, parle-moi. Pff, j'en peux plus, c'est horrible. C'est horrible. Faut que j'achète des Golgoth, hein, des mecs de... Je vais prendre un géant de 6 mètres là. Je vais le faire rentrer que pour ça. On va jouer à 10 plus un géant. Ouais, j'aurais pris ça, honnêtement, c'était fini. Il y a un petit écran qui partait. Petit coup de coude. On manque de qualité dans les passes. Hein. Oui, dommage, Lozano. Ah, ça retourne, ça le retouche. Coach Bizeau sur les nerfs, en même temps. Hein. Qu'est-ce qu'on pousse? Oh, ça passe au-dessus! On peut plus, là. C'est plus que si j'aurais, ouais, si j'avais pas. Agressif. Je veux voir autre chose. Est-ce que je mets Esposito? Je sais plus le... Je sais plus comment faire avec Espo. On va les faire un peu respirer. Pour pouvoir justement aller contrer un peu plus. Je vais lui enlever monter davantage pour qu'on soit pas non plus... Faut arrêter cette session, il n'y a plus de gagne. Il n'y a plus de gagne, on est en Ligue des Champions et tout se passe bien, mais... Contre les gros, on se fait chier à la gueule. Le truc, c'est qu'en 4-2-3-1, je suis... Sinon, on le refait jouer dans un truc qu'il aimait bien. L'ajustement sorti nulle part. Le manque de réussite est abusé. Bah, il y a un moment, je t'avoue que je ne sais plus quoi faire, vraiment. On va faire ça. On va faire ça, il a besoin de ballon. On va voir. Parce qu'il se marche dessus en fait, souvent. C'est bien, belle couverture. Je pouvais pas faire mieux. Allez les gars,
Allez, on y retourne, c'est que 1-0. C'est que 1-0, c'est que 1-0 honnêtement. Ça peut le faire, c'est que 1-0. On a encore du temps. Chaque fois qu'on est mené, on n'arrive jamais à revenir. Mais c'est pas fini, c'est peut-être la première. Allez, mon Sergio. Oui, Ahmed. Putain, heureusement que le mec a deux de cuir, hein, parce que là... Allez, Sergio. On connaît, on le brosse. Prochain qui récupère la balle d'un corner, met une mine. Bon, bah les couilles, met une mine, là. Je veux voir des mines. Guendouzi, même suspendu, je vais le ramener. Allez, allez, super Sergio. C'est un Sergio, il nous fait un travail. Allez, encore. Ah non, coup franc, c'était hors jeu. Personne qui sous-performe vraiment. Douglas Bourrel a accumulé les erreurs. Oh, ça passe au-dessus, c'était dommage cette frappe. C'est dommage, je vais le faire jouer attaquant complet, attaque. Lui, je vais le faire jouer ailier intérieur. On se marche dessus, quoi. Le truc, c'est qu'on se marche dessus, là. Sancho en sueur. Sancho, il est avec son attel, là. Il reprend l'entraînement demain. Après, il y a 1-0, hein. C'est pas comme si... On perd dans un match qu'on domine, mais ce qui est chiant, c'est qu'au bout d'un moment, on s'en bat les couilles. Oui, oui, Lozano. Dommage, c'était pas mal, là. Dommage, je vois des choses intéressantes, là, mon Lozano, là. Allez, lâche pas, toi. Allez, de la récup, de la récup. Après, ils ont tous une qualité de balle, de tout, que... Non, je... Demandez plus. Esposito, j'en peux plus. Je sais pas quoi faire de lui. J'ai que la casette à rentrer. Non, j'ai peut-être un... J'ai un Tsigankov. Est-ce que je mets Matteo en pointe? Est-ce que je mets Matteo en pointe et Tsigan? Bien joué Donna. Moment de jouer offensif. Bonjour, enchanté. On a fait que ça depuis le début. Je mets Tsigan. Traoré nous fait de la merde aussi. Hein. Traoré me fait un match de merde, là. Med. Allez. Deux attaquants. On va faire jouer comme ça, lui. Allez, les gars, là. Deux attaquants, ils connaissent pas. Allez, Tsigan. Espo claqué. On venait d'Elec. Oui, Ahmed. Oui. Putain. C'est devenu un plagiste. C'est bien, super Bouba. Allez, les gars. Allez, là. On peut le faire. On peut le faire. Allez, Jamie. Oui, la passe. Tsigan l'a frappé. C'est pas une frappe, mec, putain. Je commençais à... Super Bouba. Super le jeu de bras, là. Allez, mon Jamie, On provoque, on rentre. Oui, Renan. Avec Jamie. Jamie à nouveau. Renan. Le ballon dans la surface, il commence à nous péter les couilles aussi. Hein. Sergio, Jamie, la frappe. Il a un peu trop attendu. 10 minutes. On va passer en ultra off. Oh là là, on a trop de mal. Ils font jamais la passe à Espo. Ouf. Sergio. Oh Sergio, tu me mets ça. Ah si tu me mets ça. Vraiment, je... Ah je deviens fou, hein. Ah là, je deviens fou, On va essayer d'écarter un peu. Putain, Gomez en 10. Le truc, c'est qu'ils savent pas jouer avec ça, quoi. Mais on peut tenter. Ah, c'est vraiment le tout pour le tout, là. Là, on est en situation de tout pour le tout, mais level max, quoi. Lui, je vais le mettre ailier. Tant qu'à faire...
Tant qu'à faire, on part en ailier, on y va. Hein. On y va, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Le truc, c'est que la casette, il est flingué, quoi. Tout le monde en attaque. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment du tout le monde en attaque, là. Sinon, ce que je fais, c'est que je repars. Je mets le 4-2-4. Comme ça. Avec la casette. Qui me joue un attaquant en retrait. Et lui est lié. Il y a du chance, quoi, à jouer avec deux attaquants à ce moment. Il nous reste 15 minutes, on est à domicile. On est contre United. C'est un match important, il faut marquer. Il y a un moment où on voit depuis tout à l'heure que ça rentre pas, quoi. Donc j'essaye de passer plus sur les côtés. Allez, on va tout donner. Hein. On va tout donner, j'y vais en ultra off. Hein. Allez, il y a un moment où c'est ça ou rien. Allez, les gars, 15 minutes. 15 minutes avec Sergio Gomez, peut-être. Putain! Ah, ça me. C'est encore un jaune, c'est encore un jaune. C'est un gros moment pour nous, Sergio Gomez. Qui attend pas le coup de sifflet de l'arbitre. Avec... Peut-être. Oh, yes! Allez, allez, Sergio, allez, Sergio. Super, mon Sergio. Putain, Sergio, qu'est-ce que je l'aime. Ah, mais dégueulasse cette passe. 10 minutes. Tsigankov, peut-être. Oh, vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les goals, ils ont toujours des notes de ouf quand c'est contre moi. Oh, c'est fini là-dessus, c'est fini, il reste 3 minutes. Vraiment? Tsigankov? Mais je te hais, enfoiré. Il a vraiment fait ça? Mais c'est le pire chien. Oh là là, putain, Donna encore. Non mais on a deux... Honnêtement, parce que... Ouais, une petite récup, ça se négocie alors. Petite récupération de balle, genre ça. Oh, y a pas le... Vers l'avant, vers l'avant. La casette. Oh, il est hors jeu, putain. C'était maintenant ou jamais. Oh, Sigurdsson, dommage. Mais ils sont trop forts, leurs joueurs, aussi. Allez, allez. Oui, la case, donne. Putain, mais... Ah, ce jeu, ça me rend fou. Ça me rend fou, on a trop bien joué, on n'y arrive pas, juste. Allez, Sigur. Allez, Sigur. Je vais péter un câble, je vais péter un truc. Et c'est un but. Oh là là, Booba, en plus, quel héros. Quel héros, Booba. Oh, c'est fini, 30 secondes. Il a jamais leur balle au bon timing, ils ont pas le... Ah oh bah ok. Apparemment on s'en bat les couilles maintenant. 70 tirs à 2. Ah, je suis écœuré. Je suis écœuré honnêtement. On prend un but. Relance, long ballon dans le dos, frappe, but. Derrière, on domine tout le match. Je sais pas quoi leur dire. Il y a un moment où j'ai tout essayé là. La finition. Voilà, il y a une sérieuse chance qu'ils s'envolent pour le titre là. Je vais faire une réunion d'équipe là, mais. Ça fait mal là. Explode, merci pour les 5 subs. Zizou Junior qui avait lâché son prime tout à l'heure. Je leur ai tout dit pour que... Oh. Et Jayden qui arrive. Petite réunion d'équipe. Petite réunion d'équipe, là. Assuré. On est capable de beaucoup mieux. Je trouve que notre niveau de jeu est très faible, que la situation est bien pire. Ah, c'est bien. Coach a raison, ils sont tous tirés dans la même direction. Ah, il y en a qui voulaient mieux, là, quand même. C'est bien, ça, c'est les mecs qui ont vraiment la dalle. Bon, heureusement que j'ai pas dit plus. Il faut mieux, de toute façon. Ils viennent avec la dalle. Reboot, mec. Mais non, on joue, c'est le principe de Football Manager, c'est de pas reboot. En fait, le truc, c'est comme on joue très haut, on se retrouve vite agglutiné, quoi.
cas, ce qui est sûr, mesdames et messieurs, la Jade va faire son apparition. La Jade va faire son apparition, ton milieu à plat. Honnêtement, avec un 10, on a beaucoup testé et ça s'est avéré assez peu convaincant. Dans l'ensemble. Parce que... Putain, les deux matchs qu'on devait gagner, on les a perdus. Le problème, c'est que tu crées des tactiques que tes joueurs ne connaissent pas. Non, c'est pas vrai. Là, en gros, j'ai switché sur un 4-2-4. Et ce que j'essaie de faire comprendre aux gens qui connaissent pas FM et qui aiment le foot, c'est que, oui, bien sûr, que t'as envie de, à tout moment, de faire rentrer un deuxième attaquant et de pas être Rudy Garcia qui fait rentrer un sixième défenseur, tu vois. Ça, c'est clair. Sauf que FM a besoin de connaître les tactiques. C'est pour ça que j'ai un 4-2-4 et que je suis pas parti avec un 10, mais je suis parti avec, justement, une deuxième pointe. Parce que justement, ils connaissent cette tactique, en fait. Et qu'on l'a déjà entraîné. Et le truc, c'est que... Ouais, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. C'est pas comme si je faisais... J'essaie de pas faire 20 000 changements. Et je me restreins de pas faire 20 000 changements. Je peux vous dire quand je vois que c'est la merde et qu'on gagnera pas avec ce qu'on a. Parce qu'il faut, il faut que ça prenne. Le souci, c'est qu'en fait, on a un bloc hyper haut. Et qui souvent, du coup, bah, eux, ils jouent un peu bas. Avec notamment deux... au lieu de jouer avec... là, ils jouent par exemple avec deux pointes. Et genre deux milieux latéraux. Dont Rashford, tu vois, qui joue quand même... très bas, quand même, pour lui. Mais... ça leur suffit. Putain. Et derrière, on pousse, mais ça suffit pas, quoi. On a quoi après comme match, là? On a Newcastle dans 3 jours et on rejoue Arsenal. Et cette fois-ci, on va chez eux. On les a battus à la maison. Ça fout le chétan. C'est pas facile, là. C'est clair que c'est pas facile, là, que les matchs, mais bon, c'est la beauté du jeu. Je vais mettre un petit Scott aussi. Je ferai tourner Ahmed, je pense. Pour le prochain, quoique je mette Jamie plutôt ici, comme ça, ça sera mieux, comme ça c'est parfait, personne se connaît. Là, c'est super. On va faire jouer Tsigankov. Il y a un moment, ils vont peut-être commencer à créer un lien, au bout de 72 matchs. Ce sera peut-être temps. J'ai Zappa qui est blessé. Je pourrais même faire jouer Jamie là. Jamie là, il serait pas dégueu, hein. Enfin, il peut dépanner, quoi. Lozano, il est cramé de chez cramé. Esposito, il est bien cramé aussi. Hein. Et Matteo, il est où, lui? Ah, lui, il est parti au Brésil, lui. Ah, lui, c'est rien à foutre, quoi. Traoré est hyper décevant. Pour l'argent qu'on a mis, j'avoue que Traoré nous déçoit un peu, ouais. Sancho, on va le faire jouer 60 minutes. Je pense. Je pense bien. La Cazette, tu vois, vous avez capté que c'est bon, quoi. C'est pas jouable. Entre 2 et 4 semaines. Il s'est blessé aussi, lui, le Modica. Il a pas le niveau. Enfin, il est pas mauvais, mais il a pas le niveau pour revenir vraiment fort, lui. Ouais, on va jouer comme ça. Hein. Prochain match, je pense que je mettrai pas Esposito. En coupe. Hein. Numéro de maillot, je peux même pas lui donner le 11. Qui a le 11 chez moi? Sigurdsson. Putain, j'aurais aimé. Hein. J'aurais aimé pouvoir changer. Hein. Allez, on y va avec Southampton. Let's go! Allez. Oh, il loge de la tête, Tsigankov, mais. Ah, c'est bien, putain. Je l'ai convaincu, donc ça a convaincu tout le monde. Ça, c'est propre, ça. Oh non. Oh non, je vais juste parler à... Anna. Bon. Jadon. Premier match de Sancho. Sous les couleurs de Leeds. Le truc, c'est que je pense qu'il faut que j'étire un peu plus le jeu, parfois, parce qu'on est très recentrés tous les uns sur les autres, quoi. Oh, Jadon. Oh, le Jade. Direct. La saison de trop avec Espo. Bah, on pensait que c'était vraiment la... En fait, je pense qu'il a pas kiffé le moment avec Nedelec, quoi. Après, on a eu des enchaînements de blessures qui ont fait que l'équipe a pas pu se mettre en place. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait quand même très mal.
au McDonald's. Oh, le Esposito qui a joué avec Scott. C'est intelligent. Sancho. Sancho là. Sancho. J'ai pris Jayden. On l'a acheté. On a craqué là. C'est bien de ces gants. Tiens, les ballons où Esposito se retrouve dans la profondeur, il n'y en a plus aucun. Il n'y a plus aucun ballon où Esposito est dans la profondeur. Et ça, que j'avoue que j'arrive pas à savoir. La FC Abou, la session FC Abu Dhabi qui a fait très mal. Abu Dhabi, ouais. Merde, je suis en long match là. Je vais me mettre en moment clé pour ça. On a envie de voir les. Ça fait plaisir de voir les débuts de Sancho. Il propose, Sancho, il propose. Ils seront à dispo. Tu joues trop haut pour que Sancho ait de, pour que Espo ait de la profondeur. Bah avant on jouait aussi haut. Hein. Mais je pense qu'en fait c'est, ils se sont habitués. Tout simplement. Et t'es en long format. J'ai switch. Honnêtement, tous les moments où c'était Nimp, où on mettait que des longs ballons et Espo allait marquer, j'étais toujours aussi haut, tu vois. C'est ça qui parfois. Enfin, je comprends du coup le raisonnement. Mais du coup, tu sais, quand tu le compares à ce que t'as déjà eu et ce qui s'est passé, c'est dur, tu sais, de savoir, entre guillemets, tu vois. Parce que oui, dans, en fait, c'est ça qui est différent avec la vraie vie, quoi. C'est que oui, tu vois, si tu vois un bloc haut, bah tout de suite, tu te le dis, quoi. Après, là, il y a 5 mecs qui sont derrière. Hein. Les mecs ont peur d'Esposito aussi. Hein. Scott Rayi. Voilà pourquoi je le fais rentrer. Parce qu'à des moments, il explose, le Scott. Ça, c'est beau, ça. Je joue avec des ailiers intérieurs. Non, là, je fais jouer Sancho en ailier intérieur. Mais normalement, je joue attaquant intérieur. Je joue ailier intérieur quand je joue à deux attaquants. Sinon, je joue attaquant intérieur. Premier but de Sancho sous les couleurs de Leeds. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu comme ça un centre deuxième poteau. Souvenez-vous l'époque de Thales Magno, là. Souvenez-vous de cette époque-là. Les gros centres deuxième poteau et boum. Ça fait longtemps, ça. Putain, un but de la tête comme ça. Allez, mon Sancho, là. Thales qui ? Oh non, il y a de l'envie. Allez, la Gendouz. Voilà, et ça reprovoque. Oh là là, Sancho, Sancho Douglas, là, il y a un truc. Il y a un truc qui se crée, là. Allez, on lui monte dessus. Oh, solide. La sortie, là. Le mec, il a poussé sa balle entre trois joueurs à nous. Et pas de récup. Dommage. Oh, Jayden. Oh, le vieux but. Le vieux but. Mais vraiment, le vieux but. Oh là là. Tu vois, l'ami. Normal, je leur dis pas de centrer à vue parce que. Après, Jayden a des stats en centre quand même. Mais arrête de hocher de la tête, toi. T'es malade, toi. Je lui dis que j'ai pas apprécié, il a kiffé. J'ai mis ce clic. Hein. Manchester United qui est en train de battre Liverpool. Un nouveau match nul ferait très plaisir. Et c'est au bout de combien de matchs nuls qu'il y a des pénalties en FA Cup? Enfin, que des tirs au but. Oh là là. Oh là là, Tsigankov, comment t'ouvres pas les pieds? Au bout de deux. Là, si jamais il y a match nul, ça va au péno, c'est ça? Ok. 55e. Ça se passe plutôt bien. Gendouzi, on va sortir un peu. Gendouzi prend toujours un jaune. Ça, c'est vraiment là. Je vais mettre Jamie aussi. Je vais mettre un petit. Ils sont tous. Gendouzi va être suspendu, hein, de toute façon. Tout hasard, là. Sigurdsson, je le remplacerai par. Par Sancho, faire gaffe à. Putain, Douglas Borrell, il nous fait des bons matchs. Hein. Beaucoup de choses qui viennent de lui. Hein. Je pense qu'on va mettre Sigurdsson. Il a bien joué. Il a joué 60 minutes.
C'est bien déjà. Pour Sancho. C'est ce qu'on voulait voir. Une meilleure circulation du terrain. Espo, beaucoup plus de ballons pour essayer de frapper. Tu seras... Tu pourras aussi plus jouer dans les intervalles en 4-2-3-1. Pour être honnête, entre en 4-2-3-1, enfin avec... Là, je joue avec un meneur de jeu attaque, tu vois, avancé attaque. Donc, il est genre... C'est quasiment un 10, hein. La différence entre, avec un 10, c'est vraiment pas grande, quoi. Je vais changer Espo aussi. On met un petit Lacazette. Ce serait bien qu'on se retrouve pas... Mon caractère de passe est plus haut. Espo qui décoche moins. Bah, j'ai essayé de le... Oh, c'est beau, ça. La petite passe des de Noan. Allez, la victoire, elle fait du bien, là. Je suis parti 2 minutes, je reviens à Sancho. Ah ouais, faut pas partir, hein. Ah, ça, on vous le dit, pourtant. Putain, le casque, il est unique. Moi, je vous le dis, faut pas partir et tout. Les gens partent quand même. Ah, il se passe beaucoup de choses, hein, ici. Hein. Ah, ma défense est bien cramée, quand même. Hein. Allez, véhément, très content. Un peu de bonheur, là. Un peu de bonheur, ça peut faire que du bien. Pendant ce temps, oh, le but à la 90e pour Arsenal. Et là, je commence à sévèrement m'éloigner. Hein. Je suis à 9 points avec un match de retard. Mais je suis à 8 points de Liverpool. À match équivalent. Ça commence à être dur, cette... Ça commence à être très, très dur, cette première ligue. Et on s'accroche comme on peut, mais c'est pas facile. Sancho se blesse, bande d'enfoirés. Souhaitez pas ça. Oh non, la blessure de Sancho, là, ce serait... J'ai vendu le Zano. Non, regarde ton staff. Mon staff est au max. Ok, de l'amende. Newcastle à domicile, puis Arsenal à l'extérieur. Va falloir, gagner. Hein. Ligament pour Sancho. Sigurdsson mécontent. Nique un peu ta mère, toi. Est-ce que tu serais pas chaud, là, pour un peu... N'importe quoi, j'ai un jeu niveau, vous avez réussi qu'à renforcer ma détermination. Voilà. Il faut lui parler comme ça, lui. Toi, tu lui mets des petites baffes, là. Tu mets des petites claques au mec, là. Ouais. T'as envie de jouer, bah vas-y, montre-le-moi. Harry Wilson. Oh, putain, on se souvient. Ruinage de carrière, saison 1. Faut contacter les agents chinois. Viril, mais correct. Ah non, il y a... L'arbitre fait signe de jouer, là. Nedelec, hein. Nedelec, 3 semaines. Espoir sur Nedelec. D'ailleurs, Pat. Trois jours, ça va. Mais putain. C'est vraiment... J'ai jamais vu ça de ma life, hein. Ouais, wow, Esposito, il s'entraîne comme une... Honnêtement, je comprends pas la gestion Esposito. Je comprends pas ce qui se passe. Il a pas relevé la tête, 17 matchs, 5 buts. Je suis maudit. Non mais là, c'est vrai que c'est fou quand même, hein, cette saison. Cette saison est quand même... quand même dingue. T'as amélioré le niveau... Ouais, non mais je suis premier partout. Je suis deuxième en kiné de la première ligue, mais sinon je suis premier partout, je suis premier en entraînement... Je dois être 3-4ème en recrutement. Tu vois, niveau staff, je suis bien. Enfin, du coup, il peut pas... Chelsea qui met 2-0 à United, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Mais du coup, Chelsea qui me revient à la gueule. Sancho qui est blessé, qui ne pourra donc pas jouer. Gendouz. Sergio. On va y aller comme ça. Tsigan qui va pas très bien. Matteo qui est en chill au soleil. Bien sûr. Sanchez est pas bien et Douglas Borrell non plus. Et on joue Arsenal dans 3 jours. Merci Tonino pour le sub. On est à domicile. On va pouvoir faire tourner un peu. Je vais mettre Badia à la place de Sanchez. Ils s'entendent bien. Et qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas un peu souffler Douglas Borrell? Parce qu'il y a Pazapa Costa et je tente de mettre le Shackleton ici avec Scott Rae ici.
Je pense que c'est la meilleure option avec le peu de choix qu'on a. Mais sinon, Douglas, il se relèvera pas et il va être explosé contre... il va être explosé contre... Comment ça s'appelle contre Arsenal. C'est pas ce qu'on veut, ça. Je vais mettre le petit Rennie si jamais ici. Sigurdsson. Esposito est mort aussi. Hein. Esposito est dead, là. C'est trop de mecs qui sont dead. Hein. Je te mets la Lacazette. Mais la Lacazette, il nous mettra jamais un but, frérot. Ok, je le mets attaquant en retrait, mais du coup, je passe les deux en attaquant poussé. Ça tente. Qu'est-ce qu'on connaît pas, ça? Craigou. Ou sinon, j'envoie Craig Rennie. Vous préférez voir à la Lacazette ou Craig Rennie? Craig, on le kiffe, mais bon... Je pense que je le mets sur le banc et je le ferai rentrer. Je le ferai rentrer si c'est la sauce. Je teste de le faire jouer un peu plus bas en plus. Lacazette est rincée. Après, on joue Newcastle, là. Allez, les gars. Il y a du monde, hein, quand même, chez Newcastle, un peu. Hein. Allez, là. Allez, de la victoire, là. Les 3 points. On a besoin des points. Et merde. Donnez-nous du point, putain. Ouf. Allez, allez, Sergio. Boum. Dommage. C'est original, c'est bien. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça fait plaisir. Pas de jeu. Une absence de Elliot Guillaume. J'ai cru que c'était chez moi. On reprenait une blessure là. Oh, le match purge. Ouf. Allez West Brom là. Allez, allez mon petit Lovren. Oui, mais en fait on est capable de marquer que sur coup de pied arrêté. Oh, c'est bien Tsigor. C'est bien mon Tsigor. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Combien de matchs Nedelec 3 semaines je pense encore. Putain, Tsigankov, ça faisait longtemps. Allez, c'est bien, un peu de bonheur pour lui, là. C'est bien, ça, mon frérot. Arsenal qui est en train de battre West Ham aussi. Oula. Ouf, c'est bien, Donna. C'est bien, Mandonna, c'est bien. On va le voir un moment clé, celui-là. Oh lolo. Oh le. Ouais, c'est ça. On a recruté Sancho avec... Oh, c'est beau, ça. Voilà, simplement, les gars. Simplement. Jouer simple. Putain, on leur dit quand même dans la surface. Juste de la tentative de frappe entrée de surface, des trucs juste intelligents. Libérez-vous, les gars. Ah non, putain, il prenait l'autre joueur. Pas si mal joué. Oh, Scott. Oh là là. Ouf. Juste jouer au foot. Vous êtes meilleurs qu'eux. Jouez au foot. Faites-vous plaisir. Vous êtes tous hyper talentueux. Il y a un moment, laissez parler le génie. Ça fait longtemps que vous jouez tous ensemble. Voilà. Ahmed, t'en as mis 2 aujourd'hui, c'est le 3e de la saison. Pourquoi y a pas ça avant? Pourquoi y a pas ça, mon Ahmed? C'est parfait, ça. Là, on lâche tous nos meilleurs combos contre Newcastle, à qui on va mettre 8-0. Oh, la frappe. Oh, Ahmed, frappe lourde. Il est de retour. Harry Wilson, que j'ai coaché. C'est Espo qui pourrit le moral. Ne dites pas ça. Espo, j'ai du mal à le défendre. Il y a eu des moments où, quand il est arrivé, vous le détestiez et j'ai dû le défendre. Mais là, c'est vrai qu'il y a... Il y a beaucoup à faire, quoi. Alors, Liverpool, c'est 3-0.
Ok. Allez, on repart à droite. Tranquille. Oh là là, Victor, putain, c'est... En fait, on joue pas... Oh, c'est un but, ça. Oh là là, Donna est trop fort. On joue pas fluide, tu vois. On joue souvent haché, souvent... Tsigankov, je vais le sortir. Je vais mettre Lozano à droite. Tsigan a très bien joué, là. J'ai envie qu'il soit capable de me refaire ce genre de prestation. Je vais mettre un Oan à la place de... Je vais mettre en... moins rapide. Qui est-ce qu'on a? On a Renan qui est un peu cramé aussi. En vrai, pour le prochain match, je pense qu'on fait ça comme changement. Et du coup, je baisserai un peu à chaque fois le rythme. Kenny a pas le droit au bonheur. Bah, en fait, j'ai pas un dispositif qui favorise trop Jamie. Oula. Tu vois, quand on commence à faire ce genre de passe, c'est que vraiment là, c'est que c'est la sauce. Totale confiance en Esposito. Moi aussi, mais bon, là, ça commence à devenir dur, quoi. Ça commence à devenir dur. On va chiller un peu sur la fin de match, pas trop se fatiguer. Et ça sera parfait. Oh, Liverpool. 4-0, ça se régale. Oh là là, Camara, à chaque fois, il fait des gestes pour se défendre. C'est le football passion, là. La Lacazette trop sûr de lui. Oui, oui, Noan. Tu vois, souvent, en fait, on lève pas assez la tête, quoi. Souvent, il y a des espaces, tu vois, pour notre attaquant et tout. Bon, allez, le 3-0, il met bien. Très belle victoire. Tous les gros ont dû gagner aussi. Maintenant, c'est Arsenal à l'extérieur. Superbe Traoré pour Leeds. Il a été magnifique sur ce match. C'est pour ça que je l'ai sorti, histoire d'assurer. Ok. Ce match, on savait que ça allait être United. Oh, le petit 1-0 d'Arsenal comme ça, gratté là. Il met bien City contre Southampton. Bon, si jamais, quoi. City qui met 3-0. Ouais. J'ai 8 points de retard sur Liverpool à égalité de match. Là, ça commence à devenir vraiment très très dur. Bordoups, merci pour le 5e mois. Il y a Chelsea qui est remonté, ouais, aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Chelsea, ils gagnent beaucoup, là. Chelsea, ils ont 3 points d'avance sur moi avec un... et moi, j'ai un match de retard. Ferraresi. Attends, lui, je l'avais scout tout début. Bon, contre Arsenal. On est à l'extérieur, en plus. On se la joue positif. On se la joue. Gendouz. Traoré. Tsigan, ça va être confiance en Tsigan. Bon, faut peut-être aussi qu'on fasse ça, quoi. On joue comme ça. Lui, en box-to-box, je lui demande pas de monter davantage. C'est qu'on joue haut, quoi. Quitte à jouer rapide autant que ça reparte. La LDC, c'est 15 février, un truc comme ça, non? C'est quand la Ligue des Champions? 19 février? Délire dans le genre? Match aller 28 février, pardon. Un peu plus tard. Allez, double. Davinson aussi. Et je vais foutre du Jadon. Et on va espérer contre les premiers. Allez, taper Arsenal. Tu vois que t'as un trou au milieu. Baisse ta ligne d'attaque. En fait, j'ai pas de trou parce que lui, il joue hyper haut. Je peux bien de monter davantage. Il reste très excentré quand même. Le souci, c'est que c'est un peu le souci du Mezzala. Est-ce qu'il ne faudrait pas... En vrai, un peu comme l'an dernier. Jouer comme ça. Et lui qui monte beaucoup, du coup. Prenez plus de risques sur les passes.
T'as combien en dribble, toi? 15 en dribble. Vous avez combien, vous, en dribble, hein? 16 en dribble. Toi, mon Jaden. Tu dribbles plus. Tu joues tellement haut qu'Espo est essoufflé, il n'a plus d'espace. Tu peux jouer un cran plus bas. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Sauf s'il y a de la blessure entre temps. Est-ce qu'on va se blesser? Putain, tiens, ils me conseillent de pas faire jouer le truc, c'est qu'ils s'entendent bien. Camara et Sanchez, ça a pas matché de ouf. Badia, il manque, hein, le con. Pourquoi ils me sortent Sergio Gomez, l'entraîneur, l'adjoint, là, j'écoute tout, moi, je suis prêt à tout, là. Lozano, fais gaffe. Non, je vais voir, de toute façon, j'ai encore un peu de temps. Je vais voir si Sancho est à récupérer, savoir si je le mets remplaçant ou si il joue d'entrée de jeu. Sancho de retour de blessure, mais tu vois, il a une petite journée pour s'entraîner. Après, c'était pas une grosse blessure. Espo est finito. Il y a United City, là, il y a des gros matchs. Hein. United City, il y a Tottenham, Chelsea. Brentford là avec Villas-Boas qui pourrait accrocher. Fait un peu monter. Non mais je peux pas faire monter tout le monde. C'est qui lui? Will Fish. Je l'avais recruté lui. Libre de United. Ah c'est le moment où tous mes mecs 1,5 million il est estimé. Et t'en veux combien toi? 600 000? Ah tu vois bien qu'il y a un souci là. C'est marrant parce que 800 000. Allez 1,5 million et je parle plus. Allez 1,5 million et je parle plus. 1,1 million, 40% à la revente, allez, je parle plus. Ahmed Tsigankov, allez là. Allez là. Pas à 100% de ses moyens à surveiller, revient de blessure. Ah, je vais pas le faire jouer direct, je pense. Je vais pas le faire jouer direct, je vais envoyer du Lozano. J'ai beaucoup de gens sur le banc là. J'ai beaucoup de gens sur le banc. Attends, Craig Rennie. On va commencer par la défense. Toi, je te mets là. Tac, tac, tac. Toi, tu sautes. Tu sautes. C'est Shackleton qui est sur le banc. Sancho à la place de Sigurdsson. Matteo, il revient quand, cet enfoiré? 27 dans 4 jours. OK. Donc, du coup, Badia, DFCD. Merci, Paulo Martino, pour le prime. Bienvenue. On va y aller comme ça, en positif. On va essayer de percuter. Et il y a un moment où... où il va falloir qu'on soit là. Hein. On y va. Allez, on y va là. Allez, on se bouge. Contre Arsenal, est-ce qu'on va continuer la série noire contre les gros? On avait réussi à les battre. 2-0 à domicile dans un match difficile. Une équipe plutôt bien fournie, hein. Diego Lainez qui nous avait vraiment fait du tort. Allez mes garçons là, allez mes gars. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites-moi rêver, les gars. Faites-moi rêver. Les supporters sont déplacés encore une fois en nombre. Ils méritent. Allez. Direct Bellerin. On va se mettre en long résumé pour voir un peu ce qui se passe. Allez, Renan Lodi avec Traoré. Traoré, long ballon sur Tsigankov. Putain, c'était bien joué, ça. Putain, des appels dans le dos, là. C'est ça qui nous manque.
Tsigankov. Let's go! Voilà qui on est. Le FC Corner, c'est nous-mêmes. Putain, c'est Lozano, c'est ni... Comment Lozano se retrouve là? C'est improbable que personne la touche et que Lozano... Oh, c'est Lozano! Putain, mon Irving! Allez les gars, 1-0 là. Ça commence fort. Attention quand même, hein. C'est Arsenal en face, on connaît. Super les gars à gauche là. Magnifique le travail. Allez mes gars. Tu travailles double. Oh, comment j'ai cru. Traoré, tranquille, tu prends le temps de contrôler. Tu prends le temps de remettre en place. En bas, tu vois partir. C'est pour Douglas, encore une fois, qui provoque. Frère, je ne sais pas comment te le dire. Je t'ai déjà parlé, on a parlé tous ensemble. On a bien dit, tirer moins souvent. Je vais même dire, dribbler moins, il fait le taf quand même. Centrer davantage, il y a tout là. Il y a tout pour que tu puisses lever la tête normalement. Je suis en centre varié, il y a tout. Ouais, je comprends pas là. C'est pas grave. Allez. Petite action perso, on comprend. On se la met pas juste en x6. C'est bien là qu'on parte dans le dos. Irving ? Monsieur ? Monsieur Lozano ? C'est vous ? Oh là là ! Tu as déjà le ballon dans le dos, là, il fait plaisir. Clac, petite passe en retrait. Hop, on efface. Grosse frappe du droit. Boah, elle est magnifique. Poteau rentrant, l'angle est impossible. Sublime. Putain, il se réveille. C'est pas fini toujours, hein, on le sait. Hein. Tranquille, Donat est sur le coup. La ligne plus basse, le petit cran. Ouais. Après, on avait essayé aussi contre United. Hein, ça dépend beaucoup des stats, enfin des équipes et tout. Oh, il la pousse en corner. Putain, il fait encore cette erreur, c'est parfait. Allez les gars, premier poteau, 3-0. J'ai voulu rêver. 17ème. C'est bien de Tsigan. Tranquille, Traoré. Traoré qui organise un peu plus, tu vois. Pour ça que je mets un meneur de jeu retrait, peut-être. Parce que meneur de jeu attaque, le souci, c'est qu'il a moins le temps d'organiser. Et je mets du coup milieu attaque pour courir. Bellotti dans le dos, ça peut faire mal. Hein. Mais très bien défendu. Très, très bien défendu, Renan. Allez, on demandait plus. Dire que Sancho aurait dû jouer. Ah, et Lozano, il voit. Hein. Il voit qu'il y a Sancho sur le banc. Il voit qu'il y a embrouille avec Sigurdsson. Il est pas con. Hein. Gonflé à bloc, le boy. Super Ahmed. Dommage, dommage, le long ballon comme ça pour rien là. Le pressing il est bon, on fait attention. Direct, on coupe l'attrage. Il y a quoi? Guendouzi qui a pris un coup. Torreira aussi. Il y a double blessure là? On n'a jamais vu ça. Il y a double blessure? Vous avez déjà vu une double blessure vous? Enfin... C'est la première fois que je vois ça sur FM. Et le mec? Mais regarde, regarde. Mais je n'ai jamais vu ça. Ça m'est arrivé il y a deux jours. Ah ouais, putain, c'est la première fois que je vois ça. Les deux qui sortent. Il a l'air de reprendre plus. What the fuck? Oh, pff, Donna! Oh, la main ferme de Donna! Là, il devrait y avoir espoir. 60%. T'es blessé, du coup? T'es comment, toi? Blessé, mais pense pouvoir continuer. Attention quand même. Hein. Oh, Donna par contre. Savoir s'il récupère les pourcents ou pas là. À l'air exténué, ok. On va pas attendre plus longtemps. Clac. Jamie en meneur de jeu retrait soutien. Mais encore une double blessure? Mais arrêtez! Mais arrêtez! Mais c'est... Mais c'est... Mais il y a un souci! Non, vraiment, ma game est niquée! Le Zano, il est à bout aussi, mais ma game est niquée! Bon bah Jadon hein. Allez mon Jadon hein. T'allais rentrer quoi qu'il arrive, tu vas jouer un peu plus. C'est nain. United qui met 1-0 à City. City faut qu'il gagne hein, parce que United est loin devant. Liverpool et United, Arsenal sont ceux qui sont devant là pour l'instant. Ça fait bien tourner la balle tu vois. Là il y a des espaces qui se créent et tout, putain j'aime bien ce qu'on voit là. Oh, Lozano dans le dernier centre. Bien, bien, magnifique. Direct. Ah, dommage, dommage. Dommage, Douglas. Enlève, engagez-vous plus. City qui égalise, super. Pour l'instant, on serait à 6 points de Liverpool, à 3 points de United. Et à 6 points d'Arsenal, mais avec un match en moins.
Allez, on continue, les gars. On lâche pas, là. Putain, c'est pas un long résumé. D'habitude, ça vient de là. Non, je pense pas. C'est pas les settings qui font... Enfin, tu sais, de comment tu mates la game. C'est bien, Jaden. L'effort défensif, il est là, on le voit. Super, Sancho, encore. Dommage. Super, l'effort. Super, Espo. Allez. Allez, mon fils. Oh, la frappe est belle. L'action est belle. Il n'y a rien à dire. C'est ce que j'ai envie de voir de ta part. Je t'attends là. Je t'attends sur ce genre de... Boum. Oui, bien, 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 les gars. Vous vous battez comme des lions. Ça fait trop plaisir, là. Bon, dommage, le centre. Il est pas ouf, mais... Ils se battent tellement bien. Oh, ça me rend heureux, là. C'est de les voir avoir envie. Oui, oui, dans le dos. Oui, dans le dos. Allez, ouvre. Dommage. Ouvre bien, là. Putain, allez, mon fils. Boum. Oui. Oh, grosse frappe. Putain, j'ai trop envie qu'il réussisse, Esposito. Camara qui a touché le ballon de la main. Attention, attention, attention quand même. Attention à ça. Attention. Super, Donna, super. Donna, toi, t'es vraiment le sang. Allez, tranquille, Jamie. Avec Renan, on provoque. Magnifique, comme d'hab. Bon, c'est poteau sortant, mais... Attention, remontée rapide de ballon, là. Attenzione. Oula, ça s'est jeté, là. Donna. Merci pour tout. Merci, Mehadio. C'est gentil. Tu me dis moi de sub et tu me remercies. C'est fou. Espo. Espo qui gratte un corner. Allez, Victor. Premier poteau, ça coupe. Putain, on a vu un beau match, là. Magnifique, Davinson, aussi. Oh, Jaden. Hop, 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 hop. Le Jaden. Traoré, la frappe. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont plus... On est plus éparpillés, là. Jaden qui fait pas le match de sa vie, mais c'est normal, il est un peu blessé, il vient de rentrer. Pas ce qu'on lui demande à 2-0. Ce qu'on lui demande, c'est de commencer à s'habituer. Chelsea qui bat Tottenham pour l'instant, c'est pas bon, ça. Ah, y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? L'arbitre, là. Pour l'instant, tiens. En mini résumé pour avancer un peu, Sancho, ça change la vie. Bah là pour l'instant il a 6,5, hein. Donc c'est pas le joueur qui fait la diff, quoi. On va rejouer un autre match dans 3 jours. Je me mettrai peut-être bien un petit à mettre Traoré dehors avec un Owen Kenek. Je vais mettre en milieu récupérateur défense, histoire d'assurer tranquillement le coup. Parfait, Noan. Un ballon, une perte de balle. Ni plus ni moins pourquoi je t'ai rentré. Il y aurait eu but derrière. Mendy. Il était mal, Lodi. Ouais, mais j'avais envie de faire tourner. Parce que Traoré, là, il est assez chaud. Et Guendouzi est sûrement blessé. Donc. Oh putain, non. Oh, pas ça. Oh, pas ça, pas ça. Allez, les gars. Du caractère. Oh, mais c'est toujours des buts de merde. La frappe, elle est contrée. Elle est triple contrée. Et elle est poussée. Attention les mecs là, attention, parce que là on commence à... Allez, plus discipliné. Oh non, on va pas se faire clim là-dessus là quand même. Oh non. Allez, les ailiers, vous allez revenir défendre un peu quand même les gars. Je vous le dis. Tranquillement. Augmente le rythme, ils sont cuits en face. En fait, ça force à plus d'erreurs et tout, d'augmenter le rythme. Et là, il faut qu'on soit en gestion, de toujours capable de les bouger. C'est pour ça que je le baisse pas, le rythme. Parce que sinon, ça va leur laisser plus de place. Là-haut, là-haut, là-haut. C'est bien, ça. C'est bien, ça. C'est bien. C'est bien, ça. Allez, Jaden, allez. 5 minutes. Victor, ça partait, là. Ça partait, bien sûr. Tu l'as vu 3 fois. Oh. Putain, on peut pas, Esposito, on n'a pas le droit au bonheur, hein, sur lui.
Winwan. Oui, magnifique, magnifique, Seb. Comme à l'ancienne. Oui, Seb. Et pendant ce temps, Vinicius égalise contre United. Oh, le double bonheur. Le double bonheur. Oh, Seb. Comme avant, clac, direct, tu fais la différence ici. Hop, hop, t'es déjà parti dans le dos. Il n'a pas eu le temps de te voir. Derrière, là, t'es solide physiquement. C'est beau, et le petit filet. Oh, ils sont cramés, leurs joueurs. 50%, 50%. Ils ont qui sur le banc? Oh, ça, ils ont Alex Telles et compagnie, mais... Je vais baisser un peu le rythme, moi, pour pas qu'on se fatigue pour le prochain match. Parce qu'on a encore notre chance. Super, Espo. Oh, dommage, Jadon. C'est bien. Liverpool qui met 1-0 à la 90e. J'avais même pas vu qu'il faisait match nul pour l'instant. Super, le retour héroïque, là. Il est beau. Il est beau. Pourquoi tu cries pas, PA? Mais je suis pas une... Comment dire? Genre, je n'ai pas toujours la même émotion. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Comment expliquer le... Je suis pas genre juste appuyé sur un bouton et... Tu vois, genre... Ça dépend, là, on est dans de la réflexion, on est dans du... Là, on a un souci sur Esposito. Ça fait tellement plaisir de voir... Putain... Eh, honnêtement, Lozano, il nous a fait un match, mon pote. Alors, tout le monde s'est blessé, hein. Quel exploit. Quel exploit. J'espère que c'est resté à match nul. Ça, c'est resté à match nul. Liverpool, ça fait chier quand même. Parce que Liverpool, du coup, ils s'envolent quand même très très loin. Ils sont à 8 points, alors qu'ils auraient pu être qu'à 6. Mais c'est quand même super bien. Oh, Lovro qui met des petites buts. Hein. Père va se faire copiner. Non, mais disons que oui, bien sûr. Il y a une situation, un climat où, où nous pourrions subir un copined. Mais c'est pas ça. On est... Nous ne sommes pas que là-dessus. Nous ne sommes pas que là-dessus. Forcément, forcément. Forcément que ça joue dans l'équation un petit peu. Féliciter Espo. Ouais, on va le féliciter, bien vu ça. J'avoue que j'ai fait que l'engueuler. Je veux dire, bien joué pour ton but, mon pote. Dernier match. Excellent devant le but. Je suis satisfait des dernières sorties. Je vais essayer de maintenir ce niveau. C'est bien, frérot. Compliqué le titre. Après, il reste des matchs. Hein. Il reste quand même 15 matchs. On a quoi? 30, 15, 45 points à jouer, quoi. Il y a 45 points à jouer encore, donc... Donc, ouais. Faut que tu incinérises ta pièce de stream. Non, mais ça va être prévu. Jusque-là, avec le confinement, c'est différent. Juste que j'essaye... C'est même pas un délire de copinette. C'est juste un peu de respect de... Il y a des moments où je peux pas me retenir de hurler mes morts. Tu vois, le but de Guendouzi en début de session, il est fantastique. Mais quand ma copine passe une partie de sa journée en call et que du coup, elle doit se muter parce que je gueule à côté, tu vois, c'est du respect, c'est du... C'est le minimum de se dire qu'elle a un emploi aussi et que, voilà, en période de confinement, la vie est relou, mais... Un petit million, hein, vous m'avez offert combien? Bah, ils m'ont offert plus, hein, frérot. Je suis désolé, ils m'ont offert plus. Donc, Willfish, je propose au club à 1,5 million, tranquillement. Voilà. Je suis en LDC, ouais. Je suis en Ligue Traoré malade. Et oui, il me faut 1,5 million en cash. J'adore le cash. Le rhume. Allez, soins à domicile pour 4 jours. Putain, encore un rhume, quoi. Bien sûr, Père, on comprend de taquineux, je sais, mais j'explique. Il y a des buts qui sont plus importants qu'un call. Ça, je suis d'accord. Ça dit quoi l'OP du siècle? Putain, faut qu'on fasse après. Et il me manque encore... Tout à l'heure, les potes, il va me manquer à peu près 300 téléchargements. Mon micro grésille. Ah ouais, ça grésille, là? Non, ça doit aller. Et ensuite, on aura fini, on aura rempli l'objectif. Je compte sur mes ultras pour finir cette mission qu'on s'était donnée en plein Football Manager, d'ailleurs, la dernière fois. Et ça, c'est beau, ça. T'es où en LDC? 8e de finale contre Valence. Pas de grésillement. Ok. All good. All good, all good. J'ai vu où elle est d'elle de ça, elle a tout défoncé, c'est cool. Assieds-toi sur ma tête. Ça, comment ça, Jadon, on arrive et on s'entraîne mal? Comment ça, Davinson, on est en chill, là? Comment ça? C'est quoi le truc négatif, là? On reconnaît ne pas avoir une grande... Mais lui, c'est... Putain, il nous casse les couilles à pas s'intégrer, là. On peut plus de ça, là. Bah si, t'as des potes, maintenant. Oh, Jamie, il s'est jamais intégré. Ça, c'est les Anglais, ça. C'est les petits Anglais, là. Super. Super. Je suis d'accord avec ce commentaire. Je compte rejouer Jean-Pierre Pernaut en TT France. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Jean-Pierre, parfois, il dérape. Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dérapé? Le coup de gueule. Oh, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a l'air d'avoir fait un... Qu'est-ce qu'il nous dit? Oussem Aouar en top tendance? Manchester City, le club... 50 millions pour Aouar? Ah bon? 50? Mais comment ça 50? C'est Oussem Aouar, hein, c'est notre petit prince. On va pas en ressortir avant longtemps. Hein. Minimum 100 millions. Bah après, on n'est pas dans FM non plus, tu vois, mais... Qu'est-ce qu'il nous dit, le JP? 13 heures à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout. Ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important. Et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos sur un déconfinement par région, le lendemain, c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire. Ah, ça lui a cassé les couilles. Il n'est plus, n'importe comment, pour 15 jours de cours, puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur deux dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. Oh, JP, il y est allé. Hein. Oh, JP, ça l'a saoulé, là. Oh, JP, ras le cul, là. Oh, le JP. Ah, c'est mal, il a raison. Le crack. Parce que finalement, quand il est en top tendance, puis il avait fait des trucs, des sorties borderline. Mais du coup, le JT, il est à la maison à chaque fois? Ah non, juste lui, il le fait pas en fait, c'est ça? Lui, il reste chez lui et... Ah, lui, il joue pas avec les jeunes? Faut que le fasse jouer. Oh là là. C'est Delec hein, qui arrive. Il a mis tarif à tout le monde. Il intervient à la fin. Si, à la maison, je crois. Ok. S'il le fait depuis son domicile. JP en attaquant avancé. Putain. C'est Louis Legros qui fait le JT, ok. Oh, je compte là, je suis en couple là. Oh, ce match, on s'en fout. Après, on a Fulham. Putain, on est quand même... Ah oui, je suis dans un budget transfert où je prends une sauce là. Financièrement, là, c'est la sauce par contre. Hein. Ah oui, je peux pas équilibrer. Oui, nous perdons un peu d'argent. Il est vrai que... Oui. Financièrement, nous... Nous allons peut-être devoir nous séparer de quelqu'un. Oui, il est vrai. Il est vrai que nous avons fait quelques transferts, quelques offres intéressantes, mais... La faillite toque à notre porte, là. Ah, sinon, je vends le Craig. Hein. Sinon, je vends Craigou. Hein. Sur liste des transferts. Putain, lui, ça a vraiment été le bide. Hein. Le pauvre, il aurait pu exploser avec moi. Ça s'est mal passé. J'ai 18 millions. Ouais, il faudra que ça soit remis. Vend Modica. Zappa et Modica. Je pense que je peux gratter en... Modica, allez hop. Flouda, merci beaucoup. En vrai, Sigurdsson, ça pourrait se faire aussi. Hein. Ça pourrait se faire. Alors, Camara qui est blessé. Alors là, on a du blessé, là. Là, les potes, ça vient fort, là. Ça vient d'eau. Scott, on est en coupe, on va faire tourner un peu, on s'en doute. Jayden, je joue qui après? Je joue Fulham à l'extérieur dans 3 jours. Et après, on enchaîne les matchs de moyen intérêt. On va se le dire comme ça. Faut vendre Sigurd, t'as trop de monde à gauche. Après, le truc, c'est que jamais ça va être... Sigurdsson, faudrait que j'en gratte 20 millions, quoi. Si j'en gratte pas 20 millions, tous les matchs sont importants, bien sûr. Non mais chercher les matchs à 6 points, quoi.
truc, c'est que j'ai tellement de blessés et tellement de matchs à faire que... Pff, tellement de suspendus, là, surtout. Alors, comment on joue? Donc, on rejoue. Lozano, il est Kramax. Le truc, c'est que si Sancho, je le fais jouer, il risque d'être un peu la même. Mais au moins, il va peut-être un peu s'adapter au club. Le truc, c'est que Matsigankov aussi. Hein. Je peux essayer de le faire jouer... Je peux essayer de le faire jouer comme ça. Hein. Peut-être ailier même. Hein. Mm-hmm. Sigurd qui marque en coupe plus 10 millions. Le Jamie à la place de Sergio, ça peut être intéressant. Pas sûr de faire jouer Sergio. Et le truc, c'est qu'encore une fois, je vais mettre Ben Mendy à gauche. Ça, c'est parfait. Ça va faire un peu respirer Renan. Et Esposito, Esposito, il est en reprise de confiance, donc... Arrête avec tes ailiers, laissez en attaquant intérieur. Comment ça? J'ai besoin de repiquer. Tu veux qu'on le teste en ailier Je trouve ça mieux. Hein. Elgesen, c'est un mec qu'on avait recruté libre. C'est lui là. Ça, c'est le mec qui avait 20 déter que j'avais recruté un club justement norvégien. On avait dû mettre un peu de sous. Je voulais voir 15 en tac, 15 en jeu de tête, un bon placement pour un âge assez jeune. Je voulais voir ce qu'il allait donner. Tu peux expliquer le jeu. En gros, je gère un club, frérot. C'est aussi simple que ça. Après, c'est du foot, quoi. Après, du coup, t'as des joueurs, t'as des positions et tout. Oh là! C'est quoi ça? Ah, monsieur. Bah, Emile. Alors, Emile, vous êtes très fort, quand même. Hein. Emile, c'est vrai que je voudrais pas mal vous parler. Parce que vous avez pas été acheté très cher. Et c'est vrai que pour 17 ans dribble, 17 ans contrôle de balle, bon, dommage, vous savez pas faire une passe. Il y a quand même des très belles stats, Emile. Mais c'est pas possible. Hein. Alors, visuellement, visuellement, on a un peu de mal. Hein. Oh, Edouard Philippe. C'est vrai qu'Edouard Philippe, il avait pas son petit truc avant. Ça a poussé, hein. Petite barbe grise. Bon. FA Cup. Super, Sigurd. Ça, c'est 5 millions en plus, ça. Oh, la passe. Jadon. Oh, j'ai cru que... Si Jadon me met le but là-dessus, mais on sent qu'il veut se décaler en pied droit, tu vois. Pchit. Le pchit, hein, qui ne marche plus depuis quelques temps, d'ailleurs. Oh, Jamie, retour de hors-jeu. Sigurdsson, Sigurdsson. Oh, la mine qu'il lui a mis. Il vient d'où ce Sancho? Oh bah Sancho frérot. Il est au Borussia là. C'est un anglais. Et, dans ma save, il est parti à City et je l'ai racheté à City. Oh, c'est pas au boom. Oh, dommage. C'est bien, on procure du jeu là. J'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. La plupart des hommes politiques à grande responsabilité sortent avec des grosses séquelles physiques de leur mandat. Ah mais là ça là. Oui Gendouz. Boum en haut. En bas c'est pas mal aussi. Oh le Ben Mendy. Oh le Ben. Scott. Dommage. Dommage, dommage. Done. Super Jadon. Super Jadon, l'intelligence. Dommage Gendou. Je vais mettre en offensif, pardon. Mm-hmm. Je suis en quoi là? On va se mettre en moment clé hein, pour un match de coupe comme ça. On provoque du jeu, j'aime bien. On se crée des occasions, on. Tout n'est pas parfait, surtout que là, on a fait beaucoup tourner, quand même. Après, c'est Watford. Hein. C'est deuxième div et tout, quoi. Ouais, je sais pas non plus. C'est vrai que... Pas mauvais, lui, quand même. Pas mauvais. Après, si tu le fais jouer milieu-centre, ce qui est plus adéquat, ses qualités de centre ne servent à rien. Hein, ça, c'est vrai, ça. On se frappe.
On se frappe cadré à 0. Mais 0-0. On se tire arrêté hein, pour l'autre là. Allez, agressif. Hein. Allez, on y va les gars. On y va. On se bouge le cul. Et le cululu, on se le bouge. Gendouzi, grosse lucarne. On connaît. Oh. Ça passe à côté. Et parfait. Douglas Borel. Qui est blessé. Et ce qui fait qu'on est donc baisé. Puisque Zappa Costa est aussi baisé. Blessé, pardon. Excusez-moi. Ce qui fait que nous sommes dans la sauce. Et ça, c'est magnifique. Allez. Allez, les gars, un but, là. On y va. Le Scott. Gendouzi. Oui. Pourquoi autant de... Comment ? Pourquoi autant de temps ? Contrôle frappe. Esposito, c'est toi qui savais faire ça. C'est tellement lent devant le but, putain. Ils ont pas mis une frappe, on a 16 frappes... Comment on peut avoir 16 frappes cadrées ? Comment est-ce qu'on peut avoir 16 frappes cadrées ? C'est... Let's go. Let's go, c'est dur. C'est ça qu'on veut voir. Sancho, je le repose. Je mets un petit Craig Rainey des familles. L'espoir du peuple. Sancho reposé pour les matchs après Fulham et tout. Va pas falloir bégayer. Plus 15 millions pour Arnor. Jamie Titu Dédé. Ouais, c'est bon, c'est pas idéal quoi. En haut, dommage Craig. Il y avait un petit trou là. Oh le Ben. Oh il l'a vu ce trou. Oh il l'a vu, il y va. Oh comment Craig. Comment. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est dommage, c'est tenté. C'est tenté, il fallait essayer. Qui est cramé là un peu là, si on peut se le dire. Est-ce que quelqu'un va mal? Ça c'est clairement l'erreur ça. Là on la sentait, peut-être un... Bah parfait, Esposito, je mets la casette comme ça. Et un petit but de la tête. Ok, c'est bon. Allez, on passe au prochain tour là. On passe au prochain tour et on va taper Fulham là. On va taper Fulham et on espère que Liverpool et Manchester United bégayent. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Recule. Ça joue en reculant. C'est bien, ouais, j'ai fait tourner comme je voulais. Oh, Sigurdsson, cette récupération, elle vaut de l'argent, elle vaut de l'argent. Elle vaut de l'argent, moi, Arnor. On les siffle. Oh, la casse. Oh, la casse. Le renard. Le renard des surfaces. Il est là. Troisième but de la saison. Ça me fait plaisir pour lui, même si c'est des buts inutiles à chaque fois. Ça me fait quand même plaisir. Bon. Alors, off de Sheffield United. Oula. La Croix perd face à son ancien club. Ah, c'est vrai que je leur avais vendu pas mal de joueurs à eux. 2-3 semaines pour Douglas Borel. Alors que c'est lui dont vient le jeu. 10 millions. Oh, ça ira pas du tout, 10 millions, frérot. Club intéressé. Ah, 10 millions, ça ira, mais vraiment pas du tout. Hein. J'ai dit à combien, moi? J'ai demandé à 20. Eh ben ouais, il y a plein de gens qui sont dessus. Il y a Monaco, il y a la Roma et tout. Ah, oui. Ça va le faire, ça. Ça va partir. Sigan est parti. Non, Sigan... Sigan is staying. Bon, on se fait encore un ou deux matchs, je pense. On se fait encore un ou deux matchs, les potes. Fulham Wolves. Lira. Matteo va revenir, là. Matteo était parti aux Jeux Olympiques. Il reste combien en budget transfert? Pas beaucoup. Accepte son amende. Ok, parfait. Tu as vendu quelqu'un pour Sancho? Non. Aucune offre pour Sardella. Allez, un kiki, hein. On fait l'effort. Mais comment ça? Comment ça, 9 millions et ils veulent... Ils veulent juste me prendre le salaire du gars?
Après, je pourrais le vendre plus cher, quoi. Ah ouais, mais là, c'est naze, hein. Là, honnêtement, c'est vraiment naze, hein. Moi, il me faut de l'argent. Ah ouais, si je vends, c'est pas pour rien. Enfin, si je veux le vendre, c'est pas juste pour qu'il aille Sigurdsson. Rejeter l'AS Monaco, bah, elle est pas suffisante, l'offre. Ça me paraît raisonnable. C'est 20 millions minimum. Et je suis gentil à te faire partir à 20 millions, hein, vu ce que je t'ai acheté. Ah ouais, l'autre. Benjamin Mendy blessé. Allez ! En route ! On y va ! Ça faisait au moins un jour et demi. La session Momo, la session maudite. 6 semaines de blessure, c'est un petit jeune. Ça casse les genoux. Oh, Edmondson, on va jouer contre Edmondson. Oh, qu'est-ce qu'il devient, Edmondson ? Hugo, merci beaucoup. Ah, 21 matchs, 3 buts. C'est pas fou, hein. 20 millions, tu peux rêver. Si t'as 15, ce sera déjà bien. Ah, j'ai 6, là. Non, mais jamais j'accepterai à 6. Hein. Répondre aux offres. Rejeter. Rejeter. Pour que le Juan Cruz, là. Nous rejetons. Nous ne sommes point d'accord pour vendre à ce prix-là. Ceci n'est point possible. Négocier. Ah, pour 20 millions. En fait, le souci, c'est qu'il demande trop de... Il demande trop. Il demande beaucoup trop en salaire et tout. Donc, pourquoi tu négocies pas les offres? Parce que là, ils me demandent tous 200-300K, donc ça servira à rien. Tirage au sort, Coupe d'Angleterre. Contre qui est-ce que je tombe? Merde. Équipe suivante. Oh, ça aurait été bien, ça. Un petit match gratuit, là. Pas mal, ça. Oh, c'était cadeau au fil de... Oh, bah, c'est City ou United, hein, on connaît déjà. Allez. Oh, bah, c'est City, du coup, pardon. On le sentait, on le savait. Le petit match contre City qui vient s'ajouter au calendrier. Ça, c'est top. Comme ça, on est bien. Histoire de bien s'assurer qu'on fasse pas tourner ou qu'on n'ait pas un tour gratuit. Non, mais si tu m'offres 6 millions, mec. Je ne peux pas Sigurdsson en prêt. Ah, mais dans ce cas, je veux bien en prêt, mais dans ce cas, il faut mettre de la thune en plus, quoi. Ah, là, c'est intéressant. Parce que du coup, ça me soulagerait 400 000 par mois, et en plus, ça me rapporterait des sous. 200 000, je lâche. Ah, sois pas radin, frérot, sois pas radin. Ah, bon, pas dommage. J'aurais dû accepter, j'ai été con. Ils vont revenir. Je les connais bien, ne vous en faites pas. C'est des amis à moi, la Roma. Non, mais je sais pas ce que tu captes pas. Parce que là, 370 000, il est à combien? 410. Donc ça me fait un 150 000 en plus. Ben, dommage. Vous reviendrez, les gars. Vous reviendrez. Il y a encore un jour et demi. Moi, je suis pas dans le besoin. Il y a juste les huissiers qui tapent à la porte. Mais je suis pas dans le besoin. C'est pour votre gueule. Oh là, j'ai plus de latéraux. Ah oui, vraiment, en plus. Renan est suspendu. Benjamin Mendy est blessé. Nice. J'aime beaucoup ça. J'apprécie beaucoup cette situation. Se mettre un petit Tsigankov. Zappa Costa est encore blessé, du coup je vais mettre Jamie ici. Qui est-ce que je vais faire jouer à gauche? Un petit Scott. Un petit Booba qu'on va échanger là. Ah ouais, Harwood, c'est pas son truc. Hein. On teste un peu, voir. Sardella. Un petit U23 là. Sardella, il joue à droite. T'as des bases à gauche ou pas, toi? T'es comment à gauche? On va voir.
Oh, Badia. Hein. Oh, belle Badia. Clac, je fais ma popote, hein, vous en faites pas. Sardella. Ah, il est étranger, mais c'est pas grave. Ça m'en fait un huitième. Pile ce qu'il faut. Non, enfin, pile... Il est formé au club, en plus. Ah bah, il maîtrise bien, là. À droite, t'es pas bien non plus. Ah bah là, on est... sur ce match, on est un peu à poil, là. Non, j'ai personne qui joue bien à gauche. Après, on a appris, hein. J'ai peut-être Henry. Ah, Henry, il est léger, hein. Henry, il est peut-être léger pour un match comme ça. Peut-être Cole Robinson. Non, il est mieux de terrain, en fait. Non, non, je vais envoyer Sardella. Je vais envoyer Sardella au charbon, de toute façon... Je vais envoyer Sardella au charbon. C'est un rôle qui va pouvoir tenir, je pense. Il va y avoir quelques soucis, mais... Mais je le sens. Personne peut jouer à gauche de toute façon chez moi, donc Camara peut jouer à gauche. Légèrement plus. Un petit cran au-dessus. Bon bah dans ce cas j'y vais comme ça là. Dans ce cas j'y vais comme ça, ça m'évite un Sardella du père total. Bon on a la chance que c'est full à main. Je vais pas tenter le Zano et j'ai envie de tester Sancho à gauche là. J'ai envie de tester le Sancho en titu. 3 def, mais ça me fera jouer avec des mecs trop hauts. En fait, ça me fait faire un nouveau dispositif. Et s'ils sont pas habitués ni rien. Après, ils ont l'air de beaucoup passer sur, par le milieu en face. Donc, laisser à 3 défenseurs à l'extérieur contre Fulham, qui est 20ème et qui... c'est mauvais bail. Faut juste espérer que... Oh, dommage. Faut juste espérer que Camara se fasse pas trop manger. Et ça sera good. Faut espérer ça, tu vois. Camara, il a les bases. Il connaît pas du tout, mais voilà, tu vois, il aime bien. Voilà, mon Booba. L'instinct du tueur, l'instinct du buteur, ici. Ta défense, elle est sur les genoux. Non, non, ça va, quand même. Après, ils passent énormément par le milieu. Ils sont pas déliés, donc... Nombre de cartons. Voilà, c'est eux qui ont pris, là. Mais ouais, j'en prends beaucoup. Hein. Je mets engagez-vous plus. En vrai, je trouve ça propre. Ce qui fait que j'ai beaucoup de... J'ai pas mal de mecs suspendus et tout. Ce qui fait que tu dois avoir un banc un peu plus grand. Oh oui, mon Espo de la tête. Oh, il le dit. Il le dit de la tête, il est content. Oh oui. Oh bravo, bravo. Je te félicite. Bravo, Espo. Convaincu. Gonflé à bloc. Gonflé à bloc, parfait ça. Super. Super, j'égalise avec Chelsea là. Allez, on va chercher des buts là les gars. Le différentiel de but, il est important. Boum, frappe. Et quoi? Comment ça Gendou? Oh non, oh non, Davinson. Pff, heureusement il y a Donna. Heureusement il y a Super Donna. Gianluigi. Petite récup. Edmondson à 6,9. Edmondson, son face-à-face, il va le gagner, hein, je pense. Je vous le dis. Oui. Oui, magnifique, Ahmed. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Juste magnifique. Je suis prêt à te féliciter dans le replay. C'est magnifique. Trop bien ton live, trop moi le cul. Non, mais là, j'accepte qu'on devienne, bien sûr, un peu... Un peu addict. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là, en cap, c'est tout. C'est quelques tours de terrain. Ça manque de charme. Ça manque de charme. Oui, 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 mon Jadon. Ouvre. Oh, Jadon. J'ai cru qu'il s'était blessé. J'ai cru qu'il s'était blessé, là. Ok, on y retourne. Faire attention à faire tourner un peu. J'ai envie de le mettre dans les conditions max, Jadon. Joue ton rôle, mon frère. Joue ton rôle au max. Tais-toi-même, là.
toi face à tes envies. C'est vrai que Jamie, il est défenseur droit, putain. Oh, Edmondson. Oh non, Edmondson. Après tout ce qu'on a fait ensemble, t'aurais pu assurer la frappe quand même. Jaden, 6,4. Hein. Jaden, la touche arme. Ah, c'est vrai que depuis qu'on a Jaden, ça change tout là. Là, on se sent différent. Bon, c'est quand même insultant là. On va mettre Lozano. Je mets un petit coup Lozano. Et je vais mettre un petit coup. Tiens, je vais mettre Craig Rennie en pointe. Un peu de temps de jeu pour le Craig. Et la gain 12. La gain 12, on va changer. Histoire qu'il se fatigue pas pour le prochain match. Et Jamie. Oh, Jamie. Jamie qui gratte un carton rouge. C'est magnifique. Il est où, Nico? Nico, il est. Nico, il est à la. Oh, c'est le rouge, ouais. Nico, il est chez le kiné, là. Nico, Nico après 4 matchs, son genou, il a pété. Depuis, on essaye au maximum de le remettre bien, mais compliqué. Hein. Souvent, mes ailiers, moi, ils choquent. Oh là là, mais Victor, pardon. Excuse-moi d'avoir dit ça au même moment. Je vais baisser un peu le rythme, parce que là, je sens que vous êtes on fire. Bon, après, là... Bon, c'est des matchs entre guillemets, on a joué Watford qui est donc deuxième division, on joue Fulham qui est aussi dernier, etc. Mais c'est des matchs importants à gagner, qui font du bien pour le moral de mettre un gros score. Le différentiel de but aussi qui fait plaisir malgré tout. Ça reste pas négligeable. Oh, par contre, prendre ça comme ça, heureusement qu'il y a Donna. Très content, très très content. Je viens d'arriver. Pourquoi Camara est DG? Bah, il est DG sur ce match où ça a été difficile. On avait un suspendu à gauche et un blessé, ce qui fait que ah oh, putain, il est trop fatigué là, Espo. Espo, je vais faire tourner. Mais il y a Matteo, non? Il y avait pas Matteo? Mais putain, il a prolongé. Il a prolongé parce qu'ils ont dû gagner. Mais quel enfoiré. Il marque au moins un but de Talesmanio, un but de Matteo. Pouah, c'est quand même beau. Hein. Un but de Matteo encore, c'est quand même pas mal. Hein. J'aimerais rejoindre votre programme de formation afin d'évoluer à vos côtés et pouvoir porter, former les, et montrer les couleurs de notre magnifique club de Leeds. Pouvez-vous me prendre ma candidature en essai? Bah, bien sûr, bonjour. Et comment ça marche, ça, du coup? Phase finale le 31 janvier. Et du coup, ils refont une poule. C'est bizarre. Hein. Matteo, point faible, trop fort. C'est vrai qu'il est pas mal. Bon, on se fait le match contre les Wolves. Dernier match de la session. Dernier match de la session. C'est annoncé. Kendouzi dans Popcorn. Dernier transfert aujourd'hui, nous participons. Deux. Flow Edge, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Sigurdsson. Tu vois, ils reviennent. Je vous l'avais dit. Déjà, là, on se fait un petit million ici. Un petit million gratos. Enregistrement de l'effectif. Tout le monde est bien enregistré. Tac, 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 tac. Ok, et eux, c'est bon. Ils sont en U21. Vas-y, ok, donc lui. Ah bah, le loss comme ça en gratuit. Stuttgart, 7 millions. C'est non. 6 millions, c'est non. Real San Sebastian. Je te mets un 200k, tu vas me refuser instantanément. Voilà. Comme ça au moins, voilà là mec, tu me fais une offre, je sais que t'as même pas l'argent là. Je sais que t'as pas l'argent. Fiche qui signe. Finance. En finance, après on va prendre 3 millions par match pour la Ligue des Champions donc. Sigurdsson. Ah, Milan. Milan, vous avez des sous vous. Allez, viens payer là. Joueur de rotation. Allez, viens payer. Non, viens payer à papa. 3, je vais accepter en vrai. Je pense que j'accepte, non? Vous en pensez quoi? Là, je suis en train de gratter, là. Je suis en train de gratter, là, j'ai l'impression. Merde, je sais plus combien j'avais mis.
Bon, allez. 160K. Ce qui fait que le salaire de 412 000 par mois, il est bon. Et 160 000 en plus, on touche. Parce qu'en vrai, financièrement, je suis quand même dans la merde. Le solde en général, le solde général en négatif, c'est quand même assez chaud. C'est quand même assez technique. Il veut rejoindre Arsenal. Bah, ils font pas d'offre. T'auras plus aucune offre à 10 millions. Si. T'en fais pas. Oh, Leicester qui recrute Victor Fischer. Sigurdsson qui va même pas jouer au final là-bas. Ça me fait quoi? Ça me fait un 160 000 par mois. Ouais, ça me fait un petit million quoi en plus. Hein. Peut-être je suis à moins 14 millions en solde général. Ah, mais c'est chaud. Hein. Il jouera pas à Milan. Oh, Mario Ortiz, 29 millions. Ah, à 20 ans, c'est pas mal. Anthony Martial, quoi? Oh. Mais comment ça au Benfica pour seulement... Ah, mais 1,5 million. Mais comment le Benfica peut mettre ça? Comment le Benfica... Ah, quand même, hein, ils ont Zaha et tout, ils se sont chauffés. Hein. Boudator, merci beaucoup. Parce que j'aurais mis, moi, les sous, sinon... Allez, on veut jouer contre les Wolves, on espère une victoire. On espère une victoire. Benfica est pété de thunes dans FM. Putain. Pourquoi tu vends pas Modica? Parce que, en fait, j'ai pas envie de faire n'importe non plus, tu vois. J'aime bien, en fait, ça qui est toujours difficile avec les dernières saisons. Je vais pas citer. Avec les dernières saisons sur FM. C'est que, c'est pas parce que c'est ta dernière saison qu'il faut tout d'un coup... alors oui, il faut faire 2-3 trucs un peu abusés. Genre peut-être pour avoir les joueurs que tu veux, tu peux leur mettre des clauses à 30% de revente, des conneries un peu comme ça, tu vois, pour forcer, surtout qu'on est en stream. Mais pour se faire plaisir un peu plus. Mais j'ai pas envie d'un coup, tu sais, de... Ah bah j'ai plus aucun joueur. C'est pas le but, quoi. Southampton-Norwich, ça c'est un bon match, on s'en fout, ça. 0-0, Manu. 30 voire 50. Ça a pu arriver, ça a pu arriver. Oh, Sonodoy qui est parti au Barça. J'ai acheté le jeu à cause ou grâce à toi et ça m'en fout ce jeu. C'est le premier jeu que j'achète et en même temps, pas merci pour les moments de cri et de rage. Mais c'est bien, ça veut dire que t'es à fond. Honnêtement, c'est un jeu qui te met dedans. Tu vois. En fait, ce qui est cool, c'est que tu crées ton histoire. Et c'est trop plaisant, moi, je trouve. C'est vraiment... c'est trop bien, ces jeux-là, quoi. Après, j'aime beaucoup les jeux de gestion, donc ça joue. Mais bon, quand t'aimes le foot, si t'aimes un peu les jeux de gestion, t'es dedans, quoi. Là, t'es... Mais c'est un peu le rêve, c'est un peu le rêve à chaque fois, tu sais, quand t'aimes le foot, tout le monde rêve de pouvoir acheter un club, de pouvoir faire un peu ce que tu veux et tout, mais c'est tellement irréel que FM te le permet, quoi. Du coup, PCM, tu joues aussi. J'avais fait une saison... Oh, Booba, non, ça va. J'ai fait une saison, enfin, le truc, c'est que j'ai une connaissance... ah, je suis à moins 10 millions, là, en solde. Ah oui, ça... Ah oui, ça plonge, quoi. Ah là, on n'hésite pas, on y va, quoi. Mais oui, c'est les finances, ils me disent un truc. Non, ça va. Comment ça, Jadon Sancho? Mais bien sûr que je le mets dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, pardon? Oui, PCM, du coup, j'avais fait le Tour de France. J'avais fait le Tour de France à peu près en même temps que le Tour de France l'an dernier. Et c'est là où j'avais découvert Godu et tout. Et c'était honnêtement, c'était très plaisant. Je pense que j'y rejouerai à peu près à ce moment-là. Il termine jamais ses phrases. Non, c'est juste que là, il y a beaucoup de choses et là, j'ai un peu envie d'avancer, là. J'ai envie de faire le dernier match, là. J'espère qu'on va gagner. J'ai envie qu'on gagne. J'ai envie qu'on gagne. Quand t'achètes une pépite à la Sardella et qu'il devient un Fred DU. Un Fred DU, quoi. Todorov est convoqué. Bon, bah, ce serait pas une grosse... C'est un U18, hein, c'est pas une grosse... Chelsea contre City. Je sais même plus ce qu'on espère, là. Je sais même plus ce qu'on espère. Mais c'est vrai que, ouais, comme j'avance, je suis... Mais c'est vrai que c'est un de mes défauts en live. Après, c'est parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et j'ai... comme je laisse mes yeux et mon cerveau sur des trucs... sur des choses à lire, ça ne s'arrête jamais. J'ai 3 points de retard. City est loin. Une victoire de City, là. Là, on veut une victoire de City, hein. Allez, City. Allez. On se met dedans, les gars. Match nul. Pour le 92e. Bande d'escrocs. En 88e aussi. Il y a d'autres choses ou pas? Liverpool-Norwich. Manchester United-Brighton. Alors, qui est blessé, là? C'est Booba. C'est Booba qui est blessé. Donc, du coup, lui, il reste là. Sauf que... Comment... Il a pris deux matchs?
Comment t'as pris deux matchs, Renan? Et Douglas... Non, Douglas, il est juste blessé, c'est vrai. Ah, mais Douglas, c'est vrai que du coup, je suis avec Jamie... Mais c'est infernal, ma vie, là. Je joue qui? Je joue les Wolves, là. C'est pas rien, quand même. Oh, putain, je joue... Mendy est blessé. Renan, il a pris deux matchs. Ah, oh, bah là, je suis obligé de mettre... je suis obligé de mettre Sardella. Hein. Je suis obligé de mettre Sardella, y a pas le choix. Je vais le mettre en soutien, lui, histoire qu'il fasse pas full merde. Ça joue en face les Wolves. Ouais, je sais bien, mais il y a un moment où... Blessé, pas dispo. Blessé, blessé, blessé. Vendu. Blessé, blessé. Chez les jeunes, j'ai personne. Ou vraiment des joueurs que t'as pas envie de voir, quoi. Après, j'ai l'avantage d'être à domicile. Ce qui est pas mauvais. On va y aller comme ça. Hein. Change Jamie et Sardella. Non, parce que Jamie, il s'est joué à droite. Il s'est pas joué à gauche. Donc, je préfère qu'il y ait qu'un seul côté qui craigne. Et en même temps... Non, Jamie, il s'est pas joué. Lozano en DG. Il a des bases, lui? Ah non, il a aucune base. Non, non, hein, je vais... Traoré joue à 3, mais ça va être la merde, en fait. Ce que je vous disais, c'est que... C'est qu'honnêtement, c'est un peu la merde quand tu... Pas un mec qui a genre une once de base pour jouer à gauche. Genre en mode, il a déjà joué une fois. Ça lui est arrivé. Non, je vais mettre Sardella. Ça va partir sur un bon petit Sardella. Traoré qui est un peu fatigué. Et on joue Norwich, mais dans très longtemps. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Lozano, Tsigankov m'a fait un gros match. Sancho, je vais mettre Lozano. Hein. On va faire jouer la... On va faire jouer la concu. On va faire jouer la concu. Je vais mettre Lozano et Sancho. Je vais... Lozano m'a fait des gros matchs récemment. Mais Lozano à gauche et Sancho à droite ou l'inverse. Non, Tsigankov m'a mis des buts et il a été bon là. Il est en train de reprendre de la forme. Donc, Mialiowski à l'ancienne. Non, non, on va mettre Sardella comme ça. On va jouer comme ça. Contre une équipe vraiment pas mauvaise avec Pat Vieira. Pas de Vieira, quoi. Plongé dans ses pensées. Allez, les gars. Allez, on y va. On l'a fini bien, cette session. On l'a fini bien. On l'a fini avec une victoire. Je compte sur vous. Je compte sur vous, mes gars. Allez. Allez, mais... Oh non, c'est un rouge. Mais c'est pas possible. Mais cet enculé, là. Mais il lui a mis un deux pieds décollé, là. Mais il lui a mis un... Mais c'est pas possible. Mais le mec, il l'a juste assassiné. J'ai envie de crever, moi. Bon, Traoré, c'est le plus fatigué. Deuxième minute, le mec le détruit. Oh, mourir, quoi. Vraiment mourir. Oh, la gueule de la défense, là, maintenant. Oh là là. À 10 contre 11, maintenant. Allez, montrez-nous qu'à 10 contre 11, on sait faire. On a déjà fait. Oui, Lozano. Dommage, c'est pas fini. Allez, mon Irving. Allez, mon Irving. Oh, c'est mou. United qui a déjà ouvert le score. Oh, le dernier match, on espère juste que ça se passe bien. C'est bien, tranquille, sur les côtés. Là-haut, bien, part. Un peu Soloman. Voilà, sur Tsigan. C'est pas fini. Sardella. Joli. Ça joue bien. Oh, Jamie. Oh, Jamie. Le trou. Ouf, ça passe au-dessus. Et là, il n'y a pas de rouge, là. Hein. Oh, sur coup de pied arrêté, je pense que c'est notre solution de marquer. Hein. Oui. Ou encore. Oui. Hardwood, il fait toujours des passes D, mec. Il fait toujours des putains de passes D, Hardwood. Allez, à 10 contre 11, on va chercher, là. Ils aiment trop jouer à 10 contre 11. Oh, deux temps. En vrai, le Taylor, à chaque fois, il nous a fait du sale, hein. Pickford, la sauce. C'est vrai que c'est Pickford en face. Oh là là, la relance d'Ona, là.
C'est pas grave, t'es tellement fort que je peux pas t'en vouloir, mais ça ferait chier que ça amène. Oula, Sardella. Oula, Sardella. Super, Donna, super. Qu'est-ce que je l'aime. Donna, honnêtement, c'est... Oh, Jamie. Fin de deux, on va dans l'axe, finalement, on déborde. Ah, puis on est du père. Ah, puis on est fatigué quand même. Après l'accélération, il faut revenir en plus. Oh là, ça fatigue. Oh, on prend un but du coup. Oh, Donna encore. Donna. Bouda torche. Merci pour ce prime, je crois que j'avais pas vu. Donna, c'est 25 points à lui seul. Ah ouais, honnêtement, Gendouzi. Oh, Lozano. Hop. Oui, Sergio, la Lulu. Mais Pickford, t'es à chier. Mais je te le souhaite, ça. Mais c'est un bonheur, ça. C'est bien, mon Sergio. Mais c'est vraiment... Mais on le savait. On le savait qu'il était à chier. Regarde un peu. Qu'est-ce qu'il est naze. Il l'a pris sur la tête, le con. Ah, je suis content. Rien que pour ça, je suis content. Qu'il est naze. Vraiment le pire joueur. Enfin, les Wolves sont pas loin, en plus. Hein. Bon, à 13 points, mais... Quand même. Bon, attention à ça. Péno. Putain, penalty. Oh, lui, il m'avait mis un doublé la dernière fois. Oh, Donna. Ça fait pas plaisir, ça. Lui, il m'avait mis un doublé, le Wobber. Ah, ça va l'échauffer, là. Ça va l'échauffer, 37e. Oh, Gibbs White. Il devient fort, non? Oh, Donna. Allez, on demandait plus, là. Ça craque. Ouh, le Donna. On récupère ça. Espo. Oh, Pickford, la petite bourde là, ça aurait mis bien. Mais toi en défensif, non, on va subir tout le match et on va finir par forcément prendre un but. Défensif, soit tes joueurs ont vraiment l'habitude et t'as créé pour ça tes tactiques, mais moi j'ai jamais trop aimé. Alors, on va juste suivre l'entraîneur. Hein. Enfin, l'adjoint. Sardella qui fait un match moyen, mais en même temps, on peut pas lui demander beaucoup plus. Il joue pas à son rôle. Il n'a pas joué depuis 6 ans avec l'équipe A. Allez, c'est l'occasion de mettre le troisième. Ou d'en prendre. Hein. Non, on peut pas prendre. Allez, les mecs, là. Là, c'est du combat. Hein. C'est du combat quotidien. Là. Allez, t'y vas, Espo. Super, la remise en arrière. Oui, en retrait. Ouh. Dommage, Gendouzi. On se bat bien. Attends, Gendouzi, je crois que je lui dis de monter plus, là. Hein, je ne dis pas de monter davantage, pourtant il est souvent devant quand même. Qu'est-ce que je pourrais lui dire d'un peu plus chill? Je pourrais lui dire ça lui. Hein. On va se mettre un double meneur. Un en soutien et un en défense. Comme ça, Gendouzi il va rester bien safe. Que là, les montées, attention à la contre-attaque. Hein. Attention à ça. Oh non. J'avais dit qu'il allait mettre un doublé, cet enculé! Putain, mais c'est vraiment... Mais c'est un jeu maudit! Ici, 3 buts dans la saison, il me met un doublé. Là, 19 matchs, il en a mis qu'un. Il tombe contre moi, il me met un doublé. Putain. Oh non, mais là, c'est pas la même, là. Là, pour aller rechercher des buts... Il a été fébrile un peu, Donna, là, ouais. Je sais même pas qui changer là. Je vais mettre un Sancho. Hein. Sancho, c'est le moment. Sergio, il fatigue de ouf là. En même temps, c'est lui le MVP du match. Je vais mettre Noan. Défensivement, on en a besoin. Permettre. Oh, Sancho. Oh, Raúl Jiménez. Oh, c'est technique là. Oh, la fin sur un match nul là, ça fait chier. Et Noan. Et Tsigan. Oui, Tsigan. Oh non, dommage. Oh, ça va vite derrière. Oh non.
On lâche pas. On lâche pas. Oh non. Holy shit. Il y a hors-jeu ? Il y a hors-jeu, bien sûr. Tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé ici. On va peut-être se mettre en équilibré, hein, histoire de chill un peu quand même. C'est vrai que les 3 points, c'est bien, mais 1 point, c'est sympa aussi. Allez, Jaden, allez, Jaden. Oh, Noël. Oh, Noël. Oh, bien joué, Jamie. Allez, 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 Victor, allez, Victor. Ça explose, ça explose. Espo, Espo. Oh, vas-y, je te déteste, je te déteste. Je te déteste. Enfin, non, je t'aime, mais je te déteste quand même là-dessus. Obligé de te détester. Petite erreur, Pickford, là. Ça m'est très bien, frérot. Pour le nombre de points que tu m'as coûté la saison dernière. Oh, c'est trop dur, cette vie. En bas. En haut, en haut. Oui, allez, Jason. Jaden. Les gars, il... C'est un contre un, quoi. Je sais pas quoi dire. C'est un contre un, il est face à Pickford. Oui. Dernière action. Oh, c'est la barre. Vas-y, c'est bon. Ah, oh, c'est bon, c'est le poteau final. Oh là là. Ça, on perd 2 points. Ouais, prends une semaine de salaire d'amende, toi, là. Prends juste une semaine de salaire d'amende. Ouais, fin de cette session et ça fait mal. Liverpool qui fait match nul aussi. Mais bon, on a 5 points de retard sur Liverpool qui a un match de retard. Bon, après, il reste 13 matchs. Hein. Il reste quand même 13 matchs, donc il reste 39 points. Il reste 39 points à aller chercher. Donc je pense que tout est possible, mais il y a un moment où il faut un... C'est encore jouable, mais bon. C'est jouable, mais... Faut passer dans un trou de souris, quoi. Faut vraiment passer dans un trou de souris et après, on a la Ligue des Champions qui va arriver. Bon, qu'est-ce qu'on a fait comme session, du coup, si on fait un petit point, là? Je joue qui en 8ème? Je joue Valence. Ça va être cool aussi, parce que là, du coup, on joue et FA Cup, bon, qui est le moins bon des trois tableaux, on va pas se mentir, mais ça reste toujours cool. On va jouer City, d'ailleurs. Ligue des Champions. Ça, c'est très cool, on joue Valence. Et donc, du coup, le championnat aussi. Une session où on fait quoi? On fait 2 défaites contre Chelsea et Manu. 4 victoires contre West Brom, Newcastle, Fulham et surtout Arsenal à l'extérieur. Ce qui est quand même énorme. Non, on a démarré ici. Pardon. On a démarré contre Arsenal. 5 victoires. Donc, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites. 2 victoires contre du top 4, Arsenal. 2 défaites contre du top 4, Chelsea United, top 5. Donc pas mal. Et le match nul ici, bon, le carton rouge de Sanchez, il nous met dans la sauce, quoi. Tu vises le titre ou la LDC? Bah, l'un ou l'autre. Hein. Ou les deux. Le mois de mars va pas faire plaisir. Hein. City, Chelsea, Valence. Mais bon, il va falloir se battre, les potes. Il va falloir se battre. Session rouge aussi, carton plus blessé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance, mais on fait au mieux. Honnêtement, on fait au mieux. Nedelec revient quand? Nedelec va revenir bientôt. Lui, il va falloir qu'il se repose. Nedelec, 5 jours. 5 jours et il y a Matteo qui arrive aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a 12 jours là. Donc le temps que Matteo revienne, que Nedelec revienne, que Sancho puisse bien s'entraîner. T'as aussi l'autre qui passe son temps au tacos de Grigny. Le mec est malade 24/7, c'est ouf. Bon, c'est quand même une très belle session. C'est une belle session. Mercredi prochain. Ouais, mercredi prochaine session. Et je pense que du coup, vendredi, on finira. Vendredi, je pense qu'on finira.